We'll be right back.
Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 décembre 2023. Il est 19h, je déclare ainsi cette séance ouverte. Nous avons un absent ce soir, donc je serai le seul représentant masculin de ce conseil municipal. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Donc, en ouverture de séance, je voulais revenir sur deux, trois événements, en fait. D'abord, je veux souligner que nous entamons, chers collègues, la deuxième partie de notre deuxième mandat. Donc, c'est plus de 6 ans que certaines d'entre nous sont ici. On est encore très, très, très reconnaissants de l'honneur et de la responsabilité qui viennent avec la fonction. Puis je tiens à remercier beaucoup, énormément les gens qui nous approchent pour nous partager tout, en fait, que ce soit leur appréciation, leur critique, ça nous aide énormément à faire un meilleur travail. Vous avez un conseil municipal qui est à l'écoute, qui représente bien la population. Moi, j'invite tout le monde à en profiter de ça. Je pense qu'on a des élus accessibles, disponibles, qui répondent à leurs messages, leurs courriels. Puis on a le souci de bien faire les choses pour la communauté. Évidemment, prendre des décisions, mais ça implique parfois de trancher. Donc, on est conscient de ça, mais on a gardé depuis le début le souci de prendre nos décisions pour le bénéfice de la communauté, de l'intérêt commun. Donc, on entame notre deuxième moitié de deuxième mandat. Je le fais avec optimisme. On travaille sur beaucoup de projets. Ce sont des projets importants d'infrastructures, de modifications du réseau routier qui nous permettent d'assurer, j'ai envie de dire, une résilience sur comment notre territoire aura à réagir en fonction de plein de défis, que ce soit la croissance, les travaux, les changements climatiques. Donc, c'est super stimulant de prendre des décisions pour une ville qui subit une croissance. C'est un tiraillement. T'sais, on est tous ici parce qu'on a aimé qu'est-ce que Saint-Colomban représentait. Donc, t'sais, vivre dans le bois, avoir de l'espace. Mais on est conscient aussi que ça suscite beaucoup d'intérêt, ce type de territoire-là. Puis on a une responsabilité de le développer sous des principes, des valeurs qui ne violent pas la motivation qui fait qu'on est venu s'installer ici. En même temps, on a des impératifs financiers. Ce soir, en assemblée extraordinaire, suivant notre assemblée ordinaire, c'est l'adoption du budget. Donc, ça a été un exercice difficile, j'en parlerai un petit peu plus tard. Difficile pas dans le sens de prendre des décisions, mais dans le contexte actuel, là, ça a été un budget de maintien. C'est pas ce qui est le plus stimulant à faire dans la vie, mais je vais expliquer le contexte un petit peu plus tard. Mais, tu sais, on garde toujours le principe de les gens, ils viennent s'installer ici pour avoir la paix. Donc, c'est important qu'on ne vienne pas trop bousculer ça, tout en assurant une continuité puis un développement des services. Puis, on maintient le cap en ce sens-là jusqu'à minimalement 2025. Je veux remercier beaucoup les bénévoles, les entreprises, les employés qui ont travaillé à l'organisation du défilé de Noël samedi dernier. J'ai envie de dire, une étoile filante dans une année, mais pour laquelle il y a énormément d'efforts qui sont mis, beaucoup d'énergie. C'est incroyable de sentir, on a le privilège d'être sur un char allégorique, de sentir l'adhésion des gens, le fait de réunir des gens pour 30 minutes pour envoyer une dose d'énergie, c'est incroyable. Isabelle Lapointe, c'est son projet depuis 2018-2017. Donc, on en était à la 5e année. De voir les gens participer aussi au marché de Noël. Moi, je tiens à remercier tout le monde qui a été impliqué de près ou de loin, même ceux qui ont participé. C'est vraiment énergisant de participer à des projets comme ça, malgré la grisaille de novembre-décembre. Je pense que c'est pas pour rien que Noël est installé dans cette date-là. C'est souvent difficile. Ce sont les journées les plus courtes de l'année. Donc, je tiens à remercier tout le monde de l'effort et de la participation. Finalement, on a eu l'occasion de remercier nos bénévoles lors de la fête des bénévoles qui a eu lieu fin novembre. Vous le savez, une communauté s'est maintenue et s'est gardée en vie par les gens qui s'y impliquent. Donc, on a eu la chance de réunir les différentes organisations, les différentes associations qui y travaillent. Je veux prendre le moment en décembre pour les remercier en assemblée publique.
Je pense que dans une dynamique où la ville change, parce que vous le savez, là, on est tous affectés par l'augmentation des valeurs de propriété, mais ça amène des gens à acheter des propriétés qui valent de plus en plus cher. Ça a un impact sur le type de démographie de la ville. Les gens, c'était réputé pour être une ville de jeunes familles, Saint-Colomban, mais évidemment, quand on achète des maisons à 800, 900 000 $, on est moins dans le créneau des jeunes familles. Ça, c'est une réalité auquel on fait face puis auquel nos décisions vont être imprégnées dans les prochains mois, prochaines années. Il faut arrimer nos services en fonction du type de population qui arrive. Puis nos citoyens qui s'impliquent, je pense au centre d'entraide, je pense à l'aide alimentaire, je pense aux différentes organisations, c'est beaucoup des jeunes, moins jeunes retraités qui décident de donner du temps pour la communauté. Puis il y a aussi des jeunes qui s'investissent dans les différentes activités sportives, des jeunes parents qui le font pour leurs enfants. Fait que je tiens à remercier l'ensemble de ces groupes-là. C'est un effort qu'on apprécie, puis c'est important pour nous de le souligner. Maintenant, ça prend quelqu'un qui vient adopter l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout, séance tenante. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doret, je propose. Merci beaucoup. En suivi, le suivi, ça concerne les questions qui auraient été posées à la séance dernière pour lesquelles ni moi, ni aucun membre du conseil, ni l'administration aurait été capable de répondre. Il n'y a pas eu de ce type de questions-là le mois dernier, donc il n'y a pas de suivi à faire. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, c'est un moment attribué à chaque élu avant le début de la séance qui leur est offert pour s'exprimer sur n'importe quel enjeu qui juge utile et public. Est-ce que Mme Wilson, vous prenez parole ce soir, Mme Doreche? Oui. Allez-y. Okay. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous tous. Dans le fond, la ville, le service de communication de la ville vous demande de répondre, si c'est possible, à un sondage en ligne pour pouvoir améliorer leurs différents moyens de communication. Puis, avec le sondage, ils vont être capables de connaître aussi, en même temps, vos habitudes de la population. Et à la fin du sondage, vous êtes invité à inscrire votre nom parce qu'il y aura un tirage pour assister pour une paire de billets pour Christian-Marc Gendron au Théâtre Gilles Vigneault pour le 14 janvier à 15h. Je vous remercie et en même temps, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne année 2024 à vous tous. Merci. Merci, Mme Doreche. Mme Mercier. Oui, bonsoir. Donc, la Ville a renouvelé l'entente avec le propriétaire, M. Arbic, pour les deux prochaines années. Donc, on va continuer à avoir accès au golf Capri. Donc, pour y pratiquer raquettes, ski de fond, bottes de randonnée, fat bike, tubes pour glisser aussi. Donc, l'hiver ne sera pas ennuyant. Donc, ça prend quand même une bonne couche de neige là, pour donner l'accès, pour ne pas briser le terrain. Ensuite, c'est ça, il y a aussi plusieurs sentiers de 1,8 à 8 km. Puis c'est tout à fait gratuit. Puis il va y avoir la fête hivernale aussi le samedi 27 janvier de 10h à 15h. Il y a aussi l'accès au bois de Belle-Rivière. N'oubliez pas, c'est gratuit en plus. Puis il y a un sentier glacé pour l'hiver. Parc à chiens, glissade sur tube aussi. Et pour le parc nature du lac Beatty, ça, c'est un tarif préférentiel pour y faire la randonnée pédestre, le ski de fond et la raquette. Merci. Merci, Mme Mercier. Mme Valérie Gravel. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je veux simplement ajouter qu'à la fête des bénévoles, il y a deux prix qui ont été remis. Le premier prix bénévole de la relève a été remis à M. Sébastien Lefebvre, qui est bénévole lors du Festiroc depuis déjà plusieurs années, depuis le début des éditions. Et le bénévole de l'année a été remis à M. Jean Simard et M. Daniel Como, qui sont les fondateurs de la ZAC de Saint-Colomban. La ZAC, c'est la nouvelle association depuis le mois d'avril du pickleball, ce qu'on appelle ici la balle cornichon. C'était pour féliciter, en fait, leur... pour féliciter, en fait, tout ce qu'ils ont fait là, pour l'association. Ils sont déjà rendus, je pense, à plus de 60-75 membres. Donc, ça évolue très rapidement. Et du même coup, ce n'est pas tous les bénévoles qui pouvaient être sur place. Donc, le conseil municipal en son entièreté, ainsi que la ville de Saint-Colomban, vous remercie pour tout le temps et l'énergie que vous investissez dans la communauté. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. J'espère que vous allez pouvoir profiter du beau temps et de nos activités extérieures. Là. Donc, des patinoires, si on peut un jour les ouvrir, et aussi du géant blanc.
le Golf Capri. Alors voilà, puis les autres parcs que vous avez accès aussi à l'extérieur, n'oubliez pas, il y a le lac Betty, le parc du lac Betty à Gore, que vous avez aussi accès à moindre coût avec les prix que les citoyens de la MRC d'Argenteuil payent. Donc, bonne soirée et joyeuses fêtes. Merci beaucoup, Madame Ayla Scriven. Oui, bonsoir tout le monde. J'aurais simplement deux petits points. Donc, j'aimerais faire un rappel qu'il y a toujours des emplois disponibles sur le site de la ville de Saint-Colomban. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un emploi disponible au niveau de l'agent de relations humaines qui a été comblé. Donc, j'aimerais faire le rappel du service de l'intervenante psychosociale Amélie Duquet. Donc, vous allez pouvoir voir, je pense, ces informations affichées. Si jamais vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un ou vous avez besoin d'aide ou d'informations sur des organismes, c'est la bonne personne à qui vous pouvez vous adresser. Puis évidemment, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes, profiter du bon temps en famille et de vous reposer. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Rabie-Beaulieu. Oui, bonsoir. Alors moi, j'aimerais vous parler du Colombanois. En fait, l'édition hivernale est maintenant disponible. Vous avez probablement reçu dans votre boîte postale. C'est également disponible en version numérique, donc en ligne. Dans le fond, le Colombanois, vous le recevez 4 fois par année. C'est un choix éditorial, mais il est rempli d'informations. Donc, c'est un bel outil là, pour s'informer sur la ville. Il y a notamment le mot du maire, des chroniques, santé, bien-être, culture, patrimoine, environnement. Et vous retrouvez aussi là, un sommaire des activités des loisirs et de la bibliothèque. Cette année, il y a une petite différence. Maintenant, on fait le guide des loisirs en ligne seulement. Par contre, si jamais vous avez besoin d'une version papier, on a des versions là, qui sont disponibles là, à l'Hôtel de Ville ou au CRC. Donc, au fond, c'est une réflexion environnementale et aussi des enjeux économiques. Donc, je pense que les deux peuvent s'arrimer dans ce cas-là. Donc, c'est une décision qu'on a prise de l'offrir en ligne. Mais sachez que les personnes qui en ont besoin, c'est aussi disponible là, en version papier. Merci. Merci, Mme Rabie-Beaulieu. Mme Lapointe? Je devais prendre parole, mais c'était pour remercier les bénévoles et les gens qui sont venus à la parade de Noël. Ah non! Alors, on a le visuel qui est derrière vous maintenant, mais vous avez tellement bien fait le message. Alors, merci à tous ceux qui se sont présentés. Et puis, joyeuses fêtes à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas le savoir, je ne vous l'avais pas dit. Ah, OK! Tu me rassures. Merci beaucoup. On passe maintenant à la période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période d'intervention qui est réservée seulement au public en salle, en ligne, pour des points à l'ordre du jour. Donc, l'objectif, c'est de poser des questions avant la tenue de vote. Donc, si jamais vous avez des positions à défendre sur un point particulier à l'ordre du jour, c'est le temps de vous exprimer. Sinon, il y a toujours une période de questions à la fin pour tout autre sujet d'intérêt public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant un point à l'ordre du jour? Non. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions qu'on pourrait y associer l'ordre du jour? Bonsoir. Non, aucune question en ligne. Pas encore. Merci, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Donc, on poursuit. 2.1.4, renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la vente pour défaut de paiement de taxes entre la Ville de Saint-Colomban et la MRC Rivière-du-Nord. Donc, c'est une entente de 3 ans. C'est renouvelable, donc on autoriserait le renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la vente pour défaut de paiement de taxes entre la Ville de Saint-Colomban et la MRC Rivière-du-Nord. Donc, c'est un processus là, qui existe depuis de nombreuses années. C'est une séance qui a lieu au mois de juin, donc tous ceux qui n'ont pas payé leurs taxes, que ce soit des terrains, des propriétés, il y a une espèce d'encan là, qui est organisé au mois de juin pour pouvoir acheter les propriétés ou être en... J'ai un blanc sur adjudicataire. Adjudicataire le temps que les gens puissent payer leurs taxes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.1.5, autorisation de signature de l'entente de partenariat Gala Zénith 2024 avec la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain. Donc, le gala va avoir lieu au mois d'avril. Donc, la Ville de Saint-Colomban désire commanditer l'événement. Donc, c'est un montant de 2 000 $ excluant les taxes aux activités de fonctionnement code budgétaire 02-130-00-494. Donc, c'est important de dire que la Chambre de commerce, ça représente tous les membres de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, on le sait, la Ville de Saint-Colomban, sans avoir énormément d'entreprises, abrite beaucoup d'entrepreneurs sur le territoire. Donc, il y a plusieurs membres qui proviennent de Saint-Colomban dans tous les services. Donc, on veut donner notre appui à cette Chambre de commerce-là par l'entremise d'une commandite lors du gala du mois d'avril. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.1.6, mandat à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, dossier de cour numéro 717-02-0084-231,
92-61-1243 Québec incorporé contre la ville de Saint-Colomban et l'entreprise 92-91-55-78 Québec incorporé. Donc, il s'agit de mandater la firme d'avocats pour représenter les intérêts de la ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 2.1.7, c'est le même principe, mais les numéros d'entreprise, c'est le même. C'est ça, c'est inversé, mais les numéros, c'est le numéro de dossier qui change. Donc, le numéro de dossier, c'est le même numéro. Donc, mandat à la firme d'avocat Bélanger-Sauvé dans le cadre du dossier de cour numéro. C'est le même numéro, sauf à la fin 232. Donc, c'est les entreprises qui s'inversent. Donc, 92-91-55-78 Québec incorporé contre la ville de Saint-Colomban et 92-61-1243 Québec incorporé. Donc, il s'agit de mandater la firme d'avocat Bélanger-Sauvé pour conseiller la ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet c'est avant mentionné. Donc, c'est deux entreprises qui se poursuivent, mais qui se plaisent à mettre la ville dans le dossier. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravet, je propose. Merci beaucoup. 2.1.8, avis de non-renouvellement du protocole d'entente relatif au prêt et à l'utilisation des locaux du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est une très vieille entente qui a été signée le 13 novembre 2021. 2001. Oui, merci de me reprendre. Sinon, ça n'aurait pas été très vieux. Donc, relativement à l'utilisation des locaux des écoles, donc dans cette entente-là qui a été signée par des gens qui ne sont plus à la ville. J'ai failli faire un mauvais lapsus. Mais dans cette entente-là, il y a des écoles actuellement sur le territoire de Saint-Colomban qui n'existaient pas en 2001. C'est attitré au nom de la commission scolaire. Ce n'est plus une commission scolaire, c'est un centre de services scolaires. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a eu une nouvelle loi sur l'instruction scolaire qui est entrée en vigueur il y a un petit peu plus d'un an. Il y a eu une modification qui a eu lieu la semaine dernière, donc qui donne notamment des pouvoirs au ministre de l'Éducation dans l'établissement des relations avec les partenaires des centres de services scolaires. Donc, il y a énormément de changements qui se sont faits depuis 2001. Puis, je ne vous cacherai pas que durant cette grève-ci là, qu'on vit actuellement, le Centre de services scolaires nous a ressorti cette vieille entente-là de 2001 pour justifier qu'on n'avait pas accès au gymnase. Donc, c'est notamment à cause de ça qu'on ne peut pas faire d'activité pendant les jours de grève. Donc, on veut aller jouer dans les principes parce que la loi indique bien qu'il faut favoriser les partenariats puis rendre le plus possible accessibles les gymnases ou les salles communautaires qui permettent à la communauté d'organiser des activités puis pratiquer des sports. Ça, c'est inscrit dans la loi, fait qu'on a des choses à revendiquer qui vont bien au-delà du contexte qui a été négocié en 2001. Donc, c'est à cet effet-là qu'on veut signifier l'avis de non-renouvellement. Est-ce que quelqu'un propose? Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. Je suis étonné, notre enseignante. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en novembre 2023. Donc, la séance s'est tenue le 14 novembre dernier. Ça prend quelqu'un qui approuve et qui approuve l'adoption. Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.2.2, adoption du règlement numéro 1011-2019-03, modifiant le règlement 1011-2019, version 2, concernant la qualité de vie, tel qu'amendé. L'avis de motion avait été donné par Mme Isla Scriven. Donc, concrètement, là, la modification, ce qu'elle vient dire, c'est qu'elle vient distinguer le principe de sentier multifonctionnel de la définition du parc. Puis ce qui motive ça, c'est que dans nos parcs, c'est interdit l'accès aux chiens. Mais dans le vieux règlement, la détermination de parc incluait les sentiers multifonctionnels, si bien que même dans les sentiers, on ne pouvait pas avoir de chiens. Fait qu'on vient corriger ça à l'intérieur. C'est assez théorique comme définition, mais ça fait une différence dans l'applicabilité des règlements. Donc, maintenant, même si ça ne change rien au quotidien du jour au lendemain parce qu'il y avait déjà des chiens sur des sentiers multifonctionnels, sachez que ce sera légal. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Isla Scriven, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.2.3, dépôt du rapport annuel 2023 portant sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Colomban. Donc, ça fait état de tous les contrats qui ont été attribués en fonction de notre règlement de gestion contractuelle. Donc, il y a des contrats qui sont octroyés de gré à gré, sur invitation, par demande de prix, par appel d'offres. Donc, vous avez l'éventail de ces contrats-là qui ont été octroyés en cours d'année. Donc, on a fait le comparable avec 2022.
Donc, quand c'est en appel d'offres public, évidemment, c'est souvent, ça correspond à des montants de plus de 121 000. Ça, c'est une obligation. Ensuite, sous ce montant-là, les villes ont quand même une marge de déterminer comment ils gèrent leur politique de gestion contractuelle. L'obligation qu'on a, toutefois, c'est d'émettre un rapport annuel à chaque année. Donc, il y a beaucoup de... Les demandes de prix là, pour lesquelles on va être contre entre 15 000 et 121 000, pour le bénéfice des gens qui ne suivent pas au quotidien, là, on est venu faire des modifications parce que c'était extrêmement lourd quand on venait faire l'achat de véhicules. Parce que là, il fallait envoyer un devis, souvent qui était de plusieurs pages, à des concessionnaires, puis on ne recevait pas de prix parce qu'il n'y a pas un vendeur qui s'embarquait dans ce processus-là. Donc, en demandant des prix, on allégeait la démarche. Ça nous permettait d'avoir des meilleurs, plus de soumissions, puis des meilleures soumissions. Puis on a vu l'impact en fonction des prix reçus là, à la baisse de manière assez marquée. Donc, c'est un dépôt. 2.3.1, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement pour le mois de novembre 2023. Donc, ça représente un montant d'un million 586 151,83 $ en référence au chèque numéro 37064 à 37212. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 2.3.2, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 novembre 2023. Donc, ceux-ci représentent un montant de 1 098 926 $90 $ en référence au chèque 36920 à 37063. C'est un dépôt. 2.3.3, dépôt et approbation de 4 rapports du budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Donc, ce sont des budgets qui sont réalisés entièrement par la Société d'habitation du Québec et pour lesquels la Ville a la responsabilité d'assumer 10 % du déficit présumé de chaque OMH. Donc, on n'a pas grand-chose à dire, sauf le fait de recevoir les budgets révisés et d'assumer le paiement des déficits. Donc, en ce sens-là, il est proposé d'approuver les 4 rapports du budget révisé 2023 datés du 24 août, du 27 septembre, du 3 novembre et du 1er décembre 2023, tels que déposés, et d'émettre un paiement au montant de 1 180 $ représentant le solde de la contribution de la Ville, soit 10 % du déficit prévu au budget révisé 2023, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire 02-520-00963. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 31 octobre au 29 novembre 2023. Madame Scriven, est-ce que vous voulez en faire le résumé, s'il vous plaît? Pardon. Donc, bien sûr, conformément à l'article 33 du règlement 18-2020 concernant la délégation de pouvoirs, suivi budgétaire, gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 18-2019, la directrice des RH dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 31 octobre au 29 novembre. Donc, nous avons une embauche, 7 nominations, 5 mises à pied temporaires, un départ volontaire et un congé sans solde. Merci beaucoup. 2.4.2, modification de la résolution 338-11-2023 relative à la mesure disciplinaire, suspension de 3 jours sans solde pour l'employé portant le numéro 700-025. Donc, il est proposé de remplacer le troisième alinéa de la résolution 338-11-2023 par le suivant, d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé portant le numéro 700-025, laquelle consiste en une suspension de 3 jours sans solde à être déterminée par la directrice générale une fois le retour de l'employé de son congé personnel. Est-ce que quelqu'un propose? Et la Scriven, je vais le proposer. La modification, finalement, c'est parce qu'on avait fixé des dates très précises. Puis là, il est parti en congé, fait que la date est passée, mais il faut que la suspension se maintienne. Donc, on donne la liberté à la direction générale de fixer les journées pour éviter de revenir en résolution à chaque fois que ce n'est pas respecté. 2.4.3, embauche d'un capitaine aux opérations au service de sécurité incendie. Donc, considérant que la résolution 267-09-23 autorisait la directrice du service des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires, afin de créer et combler un poste de capitaine aux opérations à temps partiel de 10 heures par semaine au service de sécurité incendie. Évidemment, on a reçu des postes, des candidatures. Considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer M. Sébastien Renaud à ce poste. Il est proposé d'embaucher M. Renaud à titre de capitaine aux opérations au sein du service de sécurité incendie à compter du 19 décembre 2023. De lui verser un salaire annuel correspondant à l'échelon 1 de la classe 1 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Et tout ça est conditionnel à un examen médical démontrant aucun empêchement à exécuter les fonctions requises à l'emploi. Et ce n'est pas non plus c'est conditionnel à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Est-ce que quelqu'un propose?
La Scrivener, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à M. Renaud. 2.4.4, autorisation de signature d'une ligne d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer la lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795 et M. Michael Thouin. Donc, c'est pour faire un arrangement au niveau de son horaire, étant donné qu'il suit une formation spécifique qui est liée de près à son emploi au service des travaux publics. Est-ce que quelqu'un propose? Mme Dorège, je propose. Merci, Mme Dorège. 2.4.5, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec Mme Suzanne Rainville relativement à sa demande de retraite progressive. Donc, c'est d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer une lettre d'entente particulière avec Mme Rainville relativement à sa demande de retraite progressive. Mme Rainville est trésorière à la ville de Saint-Colomban. Est-ce que quelqu'un propose? La Scrivener, je vais le proposer. Merci. 3.1, modification numéro 1 du contrat relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles lors de la séance ordinaire du 11 avril 2023 à l'entreprise Transport RLS par l'adoption de la résolution numéro 12304-2023, et ce au montant de 4 998 620 $ excluant les taxes applicables, ça c'est pour 5 ans, considérant que le devis prévoit la possibilité de diminuer le nombre de collectes pour les encombrants et les matières compostables, considérant que la Ville désire de se prévaloir de cette option et de réduire le nombre de collectes comme suit. On veut faire passer la collecte des matières putrescibles, donc le bac brun, à une fois par mois entre novembre et avril. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, on passerait de deux par mois à une par mois. L'impératif derrière ça, c'est qu'au départ, quand on avait fixé le nombre de collectes, les décisions avaient été prises en fonction des odeurs des bacs puis des quantités. La Ville de Saint-Colomban a fait le choix d'avoir des grands bacs. T'sais, si on regarde à Mirabel, à Gatineau, c'est des plus petits bacs. On est à 120 litres, alors qu'ici, on est à 240, je crois. Donc, on a de la place disponible dans nos bacs. Puis l'enjeu, c'était l'odeur l'été. Hein, la fréquence des collectes, quand ça sent pas bon, c'est important que ce soit la semaine. À partir de novembre jusqu'en mars, quand il fait froid, là, les matières putrescibles ne dégagent pas d'odeur. Puis on juge, on estime que les bacs bruns ont suffisamment d'espace pour espacer la collecte une fois par mois. Donc, c'est une des décisions qu'on vient prendre ici. La deuxième, c'est qu'on vient faire 4 collectes annuelles pour les encombrants dans tous les secteurs. Actuellement, on est à 12 collectes. Donc, depuis longtemps, là, c'est à la première collecte de chaque mois, c'est les encombrants. Puis là, je tiens à souligner la définition d'un encombrant. Un encombrant, c'est ce qui ne rentre pas dans un bac normal 360 litres. Ce n'est pas l'excès de poubelle qu'on met à côté des bacs. Donc, ça peut concerner des matelas, des fauteuils, des chaises d'une bonne dimension, des meubles. Donc, c'est ça un encombrant. Ce n'est pas plusieurs sacs à côté du bac. Donc, évidemment, ces 4 collectes-là ont été déterminées là, en fonction d'un ménage de printemps, un ménage d'automne, le temps des fêtes et la période de déménagement. Donc, on y a réfléchi. En échange de ça, parce qu'on sait, évidemment, les encombrants, là, c'est un service. Les gens apportent leurs encombrants, mettent ça au bout de leur entrée, puis c'est parti dans le camion. Jusqu'à cette année, quand les gens débarquaient avec des encombrants à l'éco-centre, il fallait qu'ils paient, parce que c'était des matières résiduelles, donc des poubelles. Là, ce qu'on va faire, c'est que si les gens prennent le temps d'amener les encombrants à l'éco-centre, il n'y aura plus de charges, ça va être gratuit. Parce que le grand coût des encombrants, ce n'est pas nécessairement le traitement de la matière, c'est l'octroi de contrat de la collecte. Donc, on change un peu. Si vous l'apportez à l'éco-centre, ça va être gratuit. Jusqu'à maintenant, c'était payant. Ça, c'est la mesure qu'on met en place en échange de réduire le nombre de collectes d'encombrants par année de 12 à 4. Mais on est quand même conscient, là, je vous le répète, on les a placés dans un calendrier qui, pour nous, faisait du sens en fonction de différents événements dans l'année ou des temps normaux là, ou des temps réguliers ou des temps normés, j'ai envie de dire, pour les ménages de printemps, ménages d'automne.
Je peux-tu ajouter quelque chose? Allez-y, Mme Darache. Oui, par rapport à l'éco-centre, dans le fond, les seuls matériaux qui vont être pris en charge ou qui vont y avoir un coût, c'est les matériaux de construction, évidemment. Ce n'est pas la même chose que les matériaux encombrants, ce que M. le maire vient de dire. Fait que c'est tout ce qui a rapport avec la construction. Ça va être payant. Ça, c'est le cas depuis 2018-2019. Oui. Donc, en ce sens-là, ça prend quelqu'un qui vient autoriser la modification numéro 1 du contrat relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles. J'en ai pas parlé, mais évidemment, ça a des incitatifs sur le budget. Quand on fait un budget, on essaie de trouver des économies pour éviter d'augmenter les taxes. On travaille beaucoup dans une philosophie d'optimisation, c'en est une ici. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Merci beaucoup. 3.2, octroi de contrat service professionnel pour l'entretien annuel des systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, Bioness. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Technologie Bioness au coût de 26 606,64 $, excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 28 novembre 2023, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-470-00-453. Donc ça s'applique seulement aux gens qui ont des systèmes tertiaires. Puis la Ville, dans le fond, elle a la responsabilité d'assurer la vidange de ces systèmes-là, mais c'est les citoyens qui paient. Donc nous, on prend en charge l'octroi de contrat, mais on est remboursé par chaque citoyen qui a une obligation de faire sa vidange à chaque année pour ça. Ou sinon, les services, ouais, c'est l'entretien, service professionnel, c'est pas la vidange, je m'excuse. Donc, souvent, ces gens-là, ils viennent signer des contrats où il y a un contrat annuel d'entretien. Donc, nous, dans la loi, on avait la responsabilité de s'assurer que ce soit fait. C'est ce qu'on vient faire en mandatant une entreprise, mais c'est à la charge des citoyens. C'est pas à la charge du Fonds général de taxation. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. Même chose pour 3.3. Octroi de contrat, achat de service professionnel pour l'entretien annuel des systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Dans ce cas-ci, c'est les systèmes hydrokinétiques. Donc, même chose, on vient octroyer le contrat à l'entreprise EnviroStep Technologies au coût de 9 724 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 6 décembre 2023, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-470-00-453. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 3.4, autorisation de signature, cession de l'eau, 6 605 049 du cadastre du Québec à titre de compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Considérant que le règlement de lotissement numéro 600 prévoit à l'article 24 que le conseil municipal peut exiger du propriétaire que celui-ci cède gratuitement à la ville un terrain équivalent à 10 % de la superficie du site visé, par le plan cadastral ou une somme équivalente à 10 % de la valeur du site ou une combinaison des deux sans excéder 10 %. Considérant que le propriétaire désire céder gratuitement à la ville un terrain adjacent au cours d'eau Bonnybrook, considérant que la superficie de l'opération cadastrale assujettie à la compensation est de 14 904,2 m², considérant que la superficie à compenser est de 1 409,4 m², considérant que le propriétaire désire céder de son plein gré une superficie de 2 450 m², soit l'équivalent de 16 % donnant accès à un cours d'eau. Considérant que l'accès au cours d'eau est l'une des actions prévues au plan d'action au changement climatique adopté en 2021, considérant que le propriétaire cède à la Ville à titre de compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, le lot que j'ai nommé précédemment. Donc, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition et d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou la greffière à signer les documents requis à l'acquisition du lot 6 605 049 du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais du titulaire du protocole d'entente. Donc, vous avez la carte derrière moi, la rue des Sarcelles, c'est perpendiculaire à Rivière-du-Nord, dans le district 6, près de Saint-Canut, on est près du pont Mackenzie. Donc, ce qui est en vert, là, c'est un réseau de sentiers qui touche ce secteur-là. Donc, ce sont des sentiers multifonctionnels. Ce qui est en vert, là, le sentier qui passe du Grenat jusqu'à Sarcelles, ça, c'est un sentier qui appartient à la ville de Saint-Colomban. Donc, ce qu'on nous propose, là, il y a une division cadastrale des terrains en noir. Donc, éventuellement, il va y avoir, j'imagine, des constructions de maisons là-dessus. Donc, ce qu'on nous cède, c'est l'équivalent du, j'ai dit 2 400 tantôt, c'est ça? 2 450 m, donc c'est ce qui est en jaune avec un beau frontage sur le ruisseau Bonnybrook. Donc, le conseil municipal a décidé de faire cette acquisition-là au lieu d'avoir une compensation monétaire. Je pense que la proximité avec le sentier, la rue du Grenat, est venue influencer.
positivement l'acquisition de ce lot-là. Parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, le ruisseau Bonnybrook, c'est un ruisseau avec des perspectives exceptionnelles. Là. Il y a des super de belles vues. Puis on est dans un secteur où je ne serais pas étonné que ce soit un spa naturel en été. Au printemps, c'est davantage un courant dangereux. Mais en été, c'est très, très appréciable comme milieu. Et on ne refuse jamais des lieux potentiels pour rafraîchir la population. On le sait que l'accès à l'eau, c'est un dossier complexe ici. Le territoire est grand, mais la ville ne possède pas beaucoup de propriétés. Souvent, sur le bord des lacs, ce sont des espaces qui ont été acquis dans les années 50. Puis la philosophie de garder des accès publics au reste de la population, c'était pas très présent à cette époque-là. Donc, on a le défi de corriger le passé et d'améliorer les accès à l'eau. Ce geste-là va en ce sens-là. Est-ce que quelqu'un propose? Et la Scriven, je vais le proposer. Merci. 3.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-2023-02, modifiant le règlement concernant l'utilisation des pesticides numéro 468. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais faire la courte présentation qui va suivre. Je vais donner l'avis de motion. Merci, Mme Mercier. Donc, la modification au règlement, là, vous allez le voir, là, ça va concerner énormément le règlement suivant celui-là. Là. On est venu jouer dans les montants des contraventions. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. C'est aussi une réflexion qu'on a eue à réfléchir le budget. Donc, on tient nos règlements. L'équipe, les élus travaillent fort à améliorer la réglementation, mais on veut qu'il soit respecté. Donc, ça fait facilement 10-15 ans qu'on n'a pas joué dans les montants attribuables aux contraventions. Donc, on a pris la décision assez simple de doubler les montants. Fait que dans ce cas-ci, on passe de 500 à 1000 $ par infraction puis pour une personne physique, puis de 1000 à 2000 pour une personne morale. Personne morale, c'est entreprise. Donc, si on vient appliquer des pesticides sans l'octroi d'un permis, puis qu'on est pris en contravention, l'amende passe de 500 à 1000, c'est ça la modification. 3.6, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 478-2023-03, modifiant le règlement 478-2012, concernant les politiques et procédures applicables à la gestion de l'eau. Tel qu'amendé, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Jessica Rabé-Beaulieu, je vais vous donner. Merci. Deux choses dans cette modification-là. D'abord, une réflexion, puis des décisions qui ont émergé du Comité consultatif d'environnement. Donc, on est dans la gestion de l'eau, l'interdiction d'arroser les pelouses, mais seulement sur les réseaux d'aqueducs. Je tiens à le souligner, là, les gens qui ont des puits individuels, on ne se mêle pas de ça. Les réseaux d'aqueducs publics, on a des enjeux, non pas en termes de disponibilité d'eau, mais plutôt de consommation dans des périodes de pointe, dans des périodes très spécifiques dans le calendrier. Donc, première modification qu'on fait là-dedans, c'est qu'on vient revoir les périodes d'arrosage. Ça va être très important. On va réserver des périodes d'arrosage pour des jardins, des potagers, mais des arrosages là, systématiques pour des pelouses à l'intérieur des quartiers desservis par les aqueducs, ça va être dorénavant interdit, à moins d'avoir obtenu un certificat émis par le service d'environnement. Par exemple, un citoyen viendra faire son aménagement paysager complet. On est capable d'émettre des permis pour une durée de 15 jours, je crois, le temps que la tourbe prenne dans le sol. Ça peut être octroyé. Mais il y a quand même des restrictions d'heures en fonction de l'arrosage pour éviter que l'eau disponible soit consommée en période de pointe où les gens en ont besoin pour répondre à des impératifs plus importants que de la tourbe. C'est une situation avec laquelle on a à vivre depuis longtemps, depuis que la ville gère des aqueducs, parce qu'on n'a pas des aqueducs avec des approvisionnements, je dirais, importants. Ça reste des puits souterrains. Souvent, les débits sont émis en fonction du nombre de maisons construites. Donc, ce n'est pas des débits autorisés à l'infini, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment régi en fonction du nombre de portes construites. Donc, on a des obligations de consommation imposées souvent par le ministère. Puis, quand on a des réserves, puis tout ça, puis tout le monde consomme l'eau en même temps, c'est ce qu'on veut éviter. On veut que, pendant que ces gens-là consomment l'eau, on ne veut pas qu'il y en ait d'autres qui arrosent leur gazon, notamment. Voilà, j'ai tout dit concernant cette modification-là. Évidemment, on va la promouvoir, là, cette modification-là, au printemps.
de transmettre une information au mois de décembre sur l'arrosage interdit des pelouses. C'est peut-être pas la meilleure stratégie en communication, là. On va revoir ça au printemps pour bien informer les gens. L'autre chose, c'est la même chose, c'est de doubler les contraventions. Donc, on passe ici de 250 à 500 et pour une personne physique et de 500 à 1000 pour une personne morale. 3.7, avis de motion, règlement numéro 600-2023-15, modifiant le règlement de lotissement numéro 600. Donc, deux éléments. Premièrement, on vient doubler l'avis d'infraction, même chose, de 500 à 1000 pour une personne physique, de 1000 à 2000 pour une personne morale. Et aussi, dans un autre article, on vient émettre une petite spécification sur le 10% au niveau de la cessation des terrains pour le frais de parc. Donc, dans la détermination de la valeur des lots cédés. Donc, il faut que ça soit fait lors de la demande de permis de lotissement. On vient le spécifier. Ça a toujours été le cas, mais on vient renforcer notre règlement un petit peu. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 3.8, adoption du projet de règlement numéro 600-2023, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé. Donc, considérant que l'avis vient d'être donné, l'avis de motion, la copie du règlement a été mise à disposition du public. C'est deux modifications assez simples à comprendre. Les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 600 en adoption et de tenir une assemblée de consultation publique le 16 janvier prochain à compter de 17 heures. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doret, je propose. Merci. 3.9, avis de motion au règlement numéro 602-2023-06, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Dans ce cas-ci, encore, on fait passer les amendes liées aux contraventions de 500 à 1 000 pour une personne physique et de 1 000 à 2 000 pour une personne morale. Valérie Gravel, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. 3.10, adoption du projet de règlement numéro 602-2023-06, modifiant le règlement de construction numéro 602. Même chose que le règlement précédent, ça prend quelqu'un qui propose. Il va aussi y avoir une consultation publique le 16 janvier 2024. C'est pour le même article. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 3.11, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1011-2019-04, modifiant le règlement 1011-2019 concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011 tel qu'amendé. Donc, deux éléments. Bien sûr, il y a le fait de doubler les amendes encore. On passe ici de 250 à 500 pour une personne physique, 500 à 1000 pour une personne morale. Mais on vient aussi à la suggestion, encore une fois, du comité consultatif en environnement, revoir la définition de la plante nuisible. Donc, elle se situe où, la plante nuisible? C'est à quelle hauteur qu'on constate que c'est une nuisance? Et quelle variété aussi envahissante et dommageable pour l'environnement sont décrites dans ce règlement-là? Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Sandra Mercier, je vous donne l'avis de motion. Merci, Mme Mercier. 3.12, avis de motion, règlement numéro 3001-2023-26, modifiant le règlement de zonage numéro 3001. Même chose ici, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion sur la modification des contraventions au double, donc de 500 à 1000 personnes physiques, 1000 à 2000 personnes morales. Je vais vous donner l'avis de motion. Merci, Mme Wilson. 3.13, adoption du projet de règlement numéro 3001-2023-26, modifiant le règlement de zonage numéro 3001. Donc, même chose que les deux points précédents, Assemblée publique le 16 janvier 2024 à compter de 17 heures. Il s'agit de proposer d'adopter le projet de règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la gentillesse de le faire? Je vais le faire, Monsieur le maire. Merci, Mme Wilson. 3.14, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 3005-2023-01, modifiant le règlement gestion des matières résiduelles numéro 3005. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. On double encore une fois les amendes de 500 à 1 000 pour les gens qui ne respecteraient pas ce règlement. Personne physique, 1 000 à 2 000, personne morale. Valérie Ravet, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. 3.15, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 3008-2023-01, modifiant le règlement relatif à la distribution des sacs d'emplettes numéro 3008. Même chose, quelqu'un qui donne l'avis de motion, on double les amendes de 500 à 1 000 et de 1 000 à 2 000. Jessica Rabie-Beaulieu, je vais vous la donner. Merci, Mme Rabie-Beaulieu. 3.16, même démarche. Cette fois-ci, le règlement concerne les installations septiques. C'est le règlement numéro 3011. On double, on fait passer les amendes de 500 à 1000 et de 1000 à 2000. Est-ce que quelqu'un propose? Je me lance, je vous la donne aussi. Merci. Vous comprenez, hein? C'est assez fastidieux. C'est pour ça qu'on le fait une fois aux 15 ans. Donc, c'est fini maintenant. Pardon? Ouais. 4.11. Modification, on peut demander à ChatGPT pour ça. 4.1, oui, j'avais un intro.
Modification numéro 1 du contrat relatif à la location de conteneurs, collecte, transport et traitement de résidus de construction, rénovation, démolition. On a octroyé un contrat à la séance ordinaire du 11 novembre 2022 à l'entreprise ABI Environnement par l'adoption d'une résolution 339-11-22. C'est un montant de 76 855. On aurait été content, 76 $. Excluant les taxes applicables, considérant que des transports supplémentaires ont été nécessaires afin de traiter le matériel reçu à l'éco-centre. Donc, évidemment, quand on donne des contrats comme ça, c'est des quantités estimées. Quand on reçoit plus de matière à l'éco-centre, mais là, il faut octroyer un contrat qui excède le contrat initial. Donc, c'est une modification numéro 1. Donc, on vient modifier le contrat pour une valeur de 23 437,65 $ pour un total de 100 292,65 $ et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-453-00-446, comme le mentionnait Mme Darèche précédemment. Pour ces matières-là, le coût est partagé entre l'usager, donc le citoyen qui vient à l'éco-centre, et la ville. On essaie toujours de garder un ratio 50-50. Donc, 50 % est assumé par la ville, 50 % est assumé par le citoyen. Donc, on essaie de faire fluctuer les montants qu'on demande aux gens qui viennent à l'éco-centre à peu près aux 2-3 ans pour qu'on respecte ce 50 %-là. Le principe, c'est qu'on ne peut pas demander à... le conseil a fait le choix de ne pas demander à 100 % de la population d'assumer les coûts de construction, rénovation, démolition d'un citoyen. On veut que la responsabilité soit partagée, donc 50 % des coûts qui est assumé par la personne qui vient à l'éco-centre, puis 50 % qui est assumé par la ville. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.2, octroi de contrat, location de conteneurs, même chose, collecte, transport et traitement de résidus de construction, rénovation et démolition. Donc, on a modifié le contrat, mais là maintenant, on octroie un nouveau pour une nouvelle période. Considérant que la Ville désire procéder à la location de conteneurs, à la collecte et au transport des traitements de résidus de construction, rénovation et démolition. Considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. 4 entreprises, centre de tri Argenteuil, service sanitaire Saint-Antoine, ça c'est EBI Environnement, multi-recyclage 92-76-22-69 Québec incorporé et RLS Environnement. Considérant qu'on a reçu 2 prix sur 4, c'est-à-dire service sanitaire Saint-Antoine et centre de tri Argenteuil, les montants sont derrière moi. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise service sanitaire Saint-Antoine au coût de 67 465, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 30 novembre 2023, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-453-00-446. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.3, octroi de contrat, acquisition d'une surfaceuse à glace neuve, TPDP 2023-068. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une surfaceuse à glace neuve, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Techlift International et Robert Boileau Incorporé. On a reçu un prix, seulement un prix sur 2, Robert Boileau, 16 858. Donc, ce n'est plus une Zamboni là, comme on la connaît. C'est plus une machinerie qu'on vient accrocher à un tracteur qui va faire le même travail. Donc, ça coûte beaucoup moins cher, beaucoup plus agile, beaucoup plus facile à déplacer. Puis, ça va répondre davantage à nos besoins. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Robert Boileau au coût de 16 858, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 15 novembre 2023. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le fonds de roulement et remboursable sur 5 ans au code budgétaire 22 700 00 726, projet 2023-21. Est-ce que quelqu'un le propose? Glass Craven, je vais le proposer. Merci. Octroi de contrat en 4.4. Location de réservoir, fourniture et transport de carburant. C'est un contrat pour 3 ans. On a reçu c'est un appel d'offres public parce qu'évidemment, c'est en haut de 125 000. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 4 décembre 2023, 3 prix, Mazout Bélanger, Énergie Sonic, Arnois Énergie, voyez les montants, ça varie entre 822 et 838. Considérant la recommandation, puis ça c'est un prix estimé, hein. C'est pas une dépense cannée, là. C'est estimé en fonction d'un prix par litre qui est variable. Donc,
Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Mazout Bélanger, ce conformément à leur soumission datée du 4 décembre 2023, au montant de 822 180,48 $, incluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités fonctionnement au code budgétaire 02-320-00-631, 220-631-610-631-701-631. Ça veut dire que cette dépense-là est répartie dans quatre services différents. Donc, on a ici urbanisme, travaux publics, loisirs et incendie. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je propose. Merci. 4.5, rejet des offres de prix, services professionnels de laboratoire d'analyse granulométrique dans le cadre de travaux d'infrastructure municipale. Vous avez le tableau derrière moi. Même chose, on a fait, dans ce cas-ci, une demande de prix. Puis là, on a eu la surprise de recevoir des prix qui excédaient, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, là, le montant maximal qui nous permet de faire des demandes de prix sans aller en appel d'offres. Donc, comme vous voyez, les prix, là, ça varie entre 125 puis 204. Ça excède ce qu'on pouvait faire. Donc, on est obligé de rejeter ces prix-là puis d'aller en appel d'offres public. Donc, c'est la raison pourquoi on les rejette. On n'a pas le droit d'octroyer des contrats en haut d'un seuil maximal. C'est 125 000, mais ces prix-là doivent prendre en compte les taxes. Donc, il est proposé de rejeter les offres de prix reçues. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 4.6, reddition de compte dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Considérant que la Ville de Saint-Colombin a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, il est proposé d'approuver les dépenses pour les travaux de resurfaçage de la chaussée et le remplacement des ponceaux sur le chemin suivant. En 2023, on a fait faire des travaux sur Saint-Paul et Saint-Nicolas. Ça a été fait notamment grâce à la participation du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Évidemment, avec ça, il y a une reddition de compte, c'est ce qu'on vient faire ici. Donc, il s'agit aussi d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect des modalités d'application, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que quelqu'un propose? Je m'excuse, c'est plus de 935 000 $ qui a été octroyé. Douglas Kervin, je vais le proposer. Merci. 4.7, autorisation de signature, demande de permis de voirie et d'entente d'entretien auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Donc, c'est dans le cadre de l'entretien de la montée de l'église. Donc, il est proposé de demander au ministère d'accorder à la Ville les permissions de voirie au cours de l'année 2024, d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 $ puisque la Ville s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie des ententes d'entretien conclues. De plus, la Ville s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire la permission requise. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 4.8, modification de la résolution 275-09-2023 relative à l'autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Donc, il est proposé de modifier la résolution 275-09-2023 afin d'y indiquer la proportion de la contribution financière de la Ville. Dans ce cas-ci, c'est 20 %. Donc, on reçoit 80 % potentiel de l'argent. Puis, notre seul engagement, c'est d'allonger 20 % des coûts. L'an dernier, ça nous a permis de financer 24 radars de sensibilisation de vitesse, puis financer notamment les travaux sur Saint-Nicolas, des traverses pour piétons, puis quelques bosses de ralentissement, si je ne m'abuse. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravet, je l'ai proposé. Merci beaucoup. 5.1, on avait eu 350 000, je pense, 360 environ. Hein. 5.1, octroi de contrat, acquisition de 5 habits de combat. Donc, c'est des achats qu'on fait à chaque année. Ça permet de renouveler les habits de combat du service incendie. Donc, on en renouvelle tout le temps cinq à chaque année. Donc, il y a trois recherches de prix. Aérofeu, 1200 degrés, l'Arsenal. On a reçu un seul prix, 18 710 pour un habit de combat. Donc, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie. Pour cinq, oui. Ça a résonné dans ma tête. je trouvais ça cher. D'octroyer le contrat à l'entreprise Aérofeu Limité au coût de 18 710 $ et 30 sous, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 28 novembre 2023, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 200 00726, projet 2024-97.
Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 5.2, octroi de contrat, acquisition d'une remorque fermée pour le service de sécurité incendie. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une remorque fermée pour le service de sécurité incendie, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise des attaches étiers au coût de 12 813 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 24 novembre 2023, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le fonds de roulement et remboursables sur deux ans au code budgétaire 22-200-00726, projet 2023-2018. Le mois dernier, on avait rejeté une demande de prix. La remorque qu'on avait reçue était un peu plus de 21 000 $ Donc, le directeur s'est engagé à trouver le même type de remorque et moins cher. Donc, ici, il a inversé le 1 puis le 2. Quelqu'un propose? Nicolas Scriven, je vais le proposer. Merci. 6.1, dépôt du bilan de plan d'action pour les personnes handicapées 2023. C'est un dépôt. 6.2, adoption du plan d'action pour les personnes handicapées 2024. Donc, il est proposé d'adopter le plan d'action pour les personnes handicapées 2024. J'ai demandé à mes collègues qui siègent notamment sur le comité politique, famille, aînés, personnes handicapées, de soulever quelques éléments notables qui vont faire partie du plan d'action 2024. Donc, c'est Mme Rabie-Beaulieu qui va en faire... qui va faire la lecture des faits saillants de cette politique-là, de ce plan d'action, pardon. Allez-y. Voilà, je vais vous faire un petit résumé. Donc, on a quelques points du plan d'action à l'écran. Donc, l'un des premiers points serait l'accessibilité universelle à nos bâtiments. Donc, s'assurer dans une réflexion des nouveaux bâtiments, comme exemple la construction d'une nouvelle bibliothèque, d'assurer de réfléchir à une accessibilité universelle lorsque c'est possible aussi d'adapter certains environnements là, de nos bâtiments et de nos parcs. Donc, ça fait font mention pour le deuxième point, là, aménagement des parcs infrastructures sportives, et j'ajouterais activités aussi. Donc, il n'est pas mentionné au tableau, mais je pense que c'est un des points qui est ressorti beaucoup, là, d'adapter nos activités, notamment par des zones adaptées. Donc, de réfléchir toujours à comment les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap pourraient avoir des besoins et de leur apporter du soutien, donc par des zones adaptées sécuritaires. Des activités aussi identifiées par un sigle dans le guide des loisirs. Donc, c'est nouveau cette année. Si vous consultez le guide des loisirs, vous allez voir un petit logo d'une chaise roulante. Donc, on va savoir que ces activités-là sont accessibles. Ensuite, on a le bottin des services, en fond, qui va être mis en place là, pour répertorier les services qui seraient offerts, notamment aux personnes en situation de handicap. Je dis notamment parce que ça s'inclut également là, dans notre politique famille aînée. J'ajouterais la sensibilisation à la promotion du TAC, donc je vais prendre un peu le point de parole pour faire mention, dans le fond, du transport adapté collectif. Donc, j'en fais la promotion ce soir. Il va y avoir plus de publicité, évidemment, mais c'est un transport qui est offert là, pour les gens, justement, à mobilité réduite. Donc, souvent, c'est méconnu encore, malheureusement, mais c'est un beau service qui est offert. Il y a le service aussi de livraison à la bibliothèque. Donc, c'est une initiative qui a été mise en place pour les personnes, justement, qui ne pourraient pas se déplacer pour diverses situations, notamment un handicap. Et puis, on est très heureux d'accueillir maintenant sur le comité un membre représentant qui peut parler en connaissance de cause là, pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que ça fait partie aussi de nos actions maintenant d'avoir un membre qui peut représenter cette communauté. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous le proposez? Je vais le proposer avec plaisir. Merci, Mme Rabie-Beaulieu. 6.3. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024. Donc, il s'agit ici d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Ça vient souvent s'arrimer à nos besoins en camp de jour. Au camp de jour. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabie-Beaulieu, je vais le proposer. Merci, madame. 7.1, redistribution des frais de retard amassés par le service de la bibliothèque et de la culture. Ça, c'est une mesure qu'on a mise en place il y a un an ou deux. Donc, on proposait, au lieu de générer des frais de retard qui vont dans le trésor public, j'ai envie de dire, on a décidé de s'associer avec le Centre d'entraide et l'aide alimentaire pour que ces amendes-là soient envoyées directement à l'aide alimentaire pour que les gens qui génèrent des retards en fonction de leurs livres, de leurs documents, ben, ce soit un mal pour un bien. Donc, on vient redistribuer ces sommes-là. Cette année, c'est 3 784,15 d'amende, donc, qui vont être envoyées à l'aide alimentaire.
J'ai eu l'occasion de prendre une photo avec ma collègue, Mme Rémi Beaulieu, et les gens du centre d'entraide hier. Il n'y avait pas de chèque, donc il y avait une suggestion d'avoir un gros chèque pour une photo. J'ai décidé de prendre une grosse photo du petit chèque. Ça génère moins de déchets. Considérant que l'article 91.0.1 de la loi sur les compétences municipales permet d'accorder une aide financière aux organismes à but non lucratif à vocation sociale, considérant qu'on souhaite, comme je l'ai expliqué, envoyer ça à l'aide alimentaire, il est proposé d'autoriser la redistribution des frais de retard amassés au centre d'entraide de Saint-Colomban pour un montant de 3 784,15 $ et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à distribuer et remettre la dite somme au centre d'entraide de Saint-Colomban. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'on donnait aussi l'opportunité aux gens de gracier, une espèce d'amnistie d'amende. Au lieu de payer le montant, on proposait souvent, vous pouvez amener des denrées non périssables, des denrées alimentaires à la bibliothèque pour finalement générer l'équivalence des frais de retard. Puis ça, bien, c'est une réponse directe du conseil au fait de nous avoir sensibilisés sur le fait que, vous le savez, là, il y a une guignolée à chaque année. Il y a un gros rush d'accumulation de denrées. Là. Il y a des boîtes à la porte, là, présentement, à la porte de tous nos organismes publics, puis les commerces du coin. Ça fait qu'il y a une affluence de denrées au mois de novembre, décembre, mais le reste de l'année, là, c'est très pauvre en termes d'approvisionnement. Donc, ça permet aux gens de toujours garnir les banques, j'ai envie de dire, en cours d'année. C'est l'équivalent d'un montant de 3 600 $ d'amendes qui ont été amnistiées en cours d'année. Donc ça s'ajoute aux 3 700 $ qui est un don. Fait qu'on est, on en est à plus de 7 000 $. Puis évidemment, les gens qui apportent des denrées, là, c'est pas scientifique comme analyse, là, mais ce qu'on m'a rapporté, c'est que les gens apportent en valeur plus de denrées que leurs amendes. Donc, tu sais, moi, je tiens à remercier les gens d'embarquer dans cette idée-là. Puis c'est une mesure qu'on a prise. Pour laquelle on a réfléchi il y a 2 ans, puis là, qui s'est mise en marche, puis finalement, ça s'est rentré un peu dans la machine à saucisse de l'administration, mais c'est un geste, à mon avis, important et exceptionnel qui mérite d'être souligné. On en est fiers, là, on est fiers d'être associés à ça, puis moi, on devrait le faire valoir plus et influencer nos collègues des villes respectives pour embarquer dans ce processus-là. Ça met beaucoup moins de pression. Ça n'enlève pas totalement la pression de l'importance de la guignolée en novembre-décembre, mais ça permet de répartir les efforts puis de garnir les banques. Puis je tiens à le souligner, l'aide alimentaire à Saint-Colomban, mais ça aide des familles, des foyers uniquement à Saint-Colomban. Puis ce qui est paradoxal actuellement, c'est qu'on n'a pas un niveau élevé de bénéficiaires, mais on s'attend à ce que ça change. Je pense que le fait de bénéficier de cette aide alimentaire-là, ça va devenir cyclique davantage que systématique. Donc, il y a beaucoup de pertes d'emploi actuellement. Puis, il va falloir s'ajuster en fonction des besoins qui peuvent durer 3-4 mois. Puis après, les gens, ils se replacent, puis ils repartent sur le marché du travail, puis leurs conditions changent, mais il faut qu'ils prennent le temps d'atterrir sur leurs pieds. Donc, ça, c'est une mesure importante, puis je suis bien, bien, bien fier de l'avoir mis en place en compagnie du conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Mais Jessica Rabibeaulieu, je le propose avec plaisir. Merci beaucoup. Ça fait le tour de la séance. On tomberait en période d'intervention. Est-ce qu'il y avait une heure pour le budget? 20h15, donc on aurait un 15 minutes de questions. À 20h15, on sauterait à la période budget. Si jamais on n'a pas écoulé toutes les questions dans la salle et en ligne, on pourrait se réserver une période de questions à la fin du budget. On termine la période de questions, puis si le besoin le demande, on commencera la séance extraordinaire du budget un petit peu plus tard. Mais là, j'irai directement dans la salle d'abord. On a un petit groupe qui s'est mobilisé aujourd'hui. Donc, vous vous présentez au lutrin qui est ici. Vous nous indiquez votre nom, la rue sur laquelle vous habitez, parce que ça nous permet de nous situer. Puis vous posez votre question. Normalement, on ne gère pas le temps. Fait que puis on n'est pas un gros groupe aujourd'hui. On privilégie les questions dans la salle, ensuite on va en ligne ou les caméras. On prend les questions en direct sur Facebook. Oui, j'ai spécifié les caméras, j'ai vu que vous étiez dans le... Donc, on privilégie en salle, après on va en ligne. Donc, période de questions, la parole est à vous. Bonjour, Hugo Madelin, au domaine Fortier. Vous n'avez pas reconnu, M. Madelin? Oui, bonjour. Ça fait un petit bout de temps. Oui, exact. Fait que c'est pour la même rue Fortier.
Donc, on a été surpris de ne pas être déneigé au début de l'hiver pour un petit secteur de la rue, là, juste quelques maisons. C'est une rue cul-de-sac, c'est un chemin privé. Et puis après, bon, on a parlé avec M. Comeau qui nous a dit qu'il y avait des problèmes pour que cette année, ça allait être fait, mais que ça ne serait plus fait à l'avenir. Je comprends pas pourquoi. Ça fait, moi, ça fait 23 ans que j'habite là, toujours été déneigé. Il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Ça a toujours été déneigé. Puis, c'est un segment de... C'est quoi la longueur du segment? 200 pieds, 300 pieds maximum. OK. Ah. Puis c'est, mettons, entre Saint-Nicolas puis Jacques? Oui, sur Fortier, c'est un secteur le petit très lac, précis. Là, puis c'est un petit rue cul-de-sac. Ouais. C'est un chemin privé, il n'est pas très large. C'est ça. Vous me corrigerez, là, mais le domaine Fortier, le domaine 1, on le sait à quel point ça peut être compliqué. On a été témoins les deux, moi, dans mes fonctions. Vous, comme citoyen, subissant les impacts de ça. Je pense qu'il y a comme le cadastre de rue est divisé en trois. Oui, c'est un chemin compliqué, disons. C'est ça. Un chemin compliqué pour y appartient à qui? C'est ça. Mais c'est juste un petit chemin à déneiger, puis à continuer. Puis là, le secteur en question, il est comme entre deux lots qui appartiennent à la ville? Ou pas du tout? Non. Il part. Oui, c'est ça. C'est à côté du lac. Là. Donc, il part de la ville, puis il finit chez un citoyen, en fait. OK, c'est un cul-de-sac comme ça. OK. OK. Alors, moi, c'est la première fois que j'entends parler du dossier. Fait que okay. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de la part de la ville. Le conseil en est informé. De revoir les critères de qu'est-ce qu'une rue privée sur le territoire. Parce que c'est un peu le Capharnaüm là-dedans. Il y a des rues d'utilité publique, privée. Il y a des rues publiques qui ont l'air privées. Puis là, il y avait un éventail de services que la ville, justement, historiquement, offrait, n'offrait pas. Puis les critères n'étaient pas vraiment clairs. Là. Ça ressemblait pas mal historiquement à qui tu connais sur la rue. On a décidé d'arriver avec des critères assez déterminés pour justement éviter que ça se ramasse dans la cour du service des travaux publics. Puis là, le staff change. Puis là, ils disent pourquoi on déneige là? Pourquoi on déneige pas là? Pourquoi on collecte les ordures là? Pourquoi on les collecte pas? Fait que ce qui arrive présentement, là, vous devez être un peu dans l'œil de cette tempête-là. Nous, tu sais, parallèlement à ça, on s'est engagé à faire les démarches puis à regarder quel type de rue privée on pourrait entamer. Pour quel type de rue on pourrait entamer des démarches pour sortir ça du caractère privé. Parce qu'on est conscient, là, le jour où la Ville émet des permis de construction sur des rues, c'est quoi notre niveau de responsabilité? C'est quoi le niveau de connaissance des faits des citoyens qui ont décidé de s'implanter sur cette rue-là? On a quand même un travail à faire. Il y a des villes un peu plus dans le nord, tu sais, que les rues privées, c'était clair dès le départ qu'il n'y en avait pas de service à faire. Là, tu sais, c'est un peu le bordel, bien honnêtement, à Saint-Colomban. Pour différentes raisons, hein. Il y a des rues qui ont été faites, ça fait pas longtemps, il y en a qui existent depuis extrêmement longtemps. Puis, Dont celle-là? Oui. Tu sais, je connais moins, je ne sais même pas si je suis déjà allé sur ce secteur-là. Si tu n'habites pas là, toi. Oui, c'est ça. On l'avait fait en porte-à-porte en 2017, c'est fort probable. Puis je vous dirais, ce qui a actualisé tout ça, c'est quand on a changé les noms de rues. T'sais, on s'est rendu compte, hey, coudonc, t'sais, il y a un cadastre de rue ici, OK, il y a une rue qui s'appelle comme ça. T'sais, il y a des rues qui sont ressorties un peu de nulle part parce que dans le cahier de toponymie, là, il y avait des trucs. Puis des fois, les gars sont allés mettre des pancartes pour des rues qui n'existent pas, mais le cadastre existe, puis ça a déjà existé. Fait que on est peut-être là-dedans. Fait que sans connaître les détails spécifiques de la situation, puis tu sais, M. Comeau m'en a pas parlé avant la séance. Donc, j'aurais de la misère à vous fournir des réponses précises, mais on pourrait s'engager à faire un suivi puis à vous expliquer clairement qu'est-ce qu'il y en a, puis si ça pourrait faire partie des démarches éventuelles pour aller chercher la propriété. Si le propriétaire est difficilement trouvable, là, on tombe souvent dans le curateur public, Revenu Québec, puis on pourrait en avoir parlé énormément avec la directrice générale. Il y a eu des décisions dans le passé qui ne se sont pas prises ici, mais davantage à la MRC, qui fait que ça nous a empêché de récupérer l'accès public des rues. Là, on a mis fin à ça il y a 2-3 ans, mais il faut que, tu sais ce que je parlais tantôt, là, le non-paiement de taxes, il faut qu'il y ait une reconnaissance de non-paiement de taxes sur 7 ans.
10 ans, merci beaucoup, 10 ans avant que ça tombe dans le registre où la ville pourrait devenir propriétaire. Ça ne peut pas être comme ça pour cela. Ça touche à 3 ou 4 terrains en même temps, puis ça finit collé sur le lac. Là, vous n'allez pas élargir, faire un gros rond-point collé sur un lac. C'est pas nécessairement ça qui se rend compte. Oui, c'est ça, je ne pense pas que ça peut... Il y en a des plus faciles, c'est sûr que si on a une marge de 16 mètres, il y a déjà une emprise, ils sont faciles à prendre, elles. Mais tu sais, on a une responsabilité de dire, OK, si on prend cette rue-là et on la met aux normes du jour, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, c'est peut-être pas, ça ne ferait peut-être pas votre affaire que la ville débarque. C'est nécessaire de la mettre aux normes du jour? Bien, c'est parce que le jour où on en prend possession, nous, dans nos règlements, on a des exigences. Quand la ville devient propriétaire de la rue, il faut qu'elle réponde aux normes actuelles. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous deveniez propriétaire pour continuer à la desservir? Pourquoi vous ne continuez juste pas à la desservir, même si vous n'êtes pas propriétaire? Parce que officiellement, vous avez bénéficié d'un avantage. Puis, tu sais, nous, c'est des kilomètres, tu sais, qu'on a finalement, que le Trésor public, là, que le Fonds général de taxation a assumé alors qu'on n'était pas propriétaire de la rue. Fait qu'on est dans une situation un peu spéciale ici. Ouais, vous n'êtes pas propriétaire, mais peut-être tant mieux, peut-être tant pis. Je veux dire, ça ne vous donne rien d'être propriétaire d'une rue à part que vous l'entretenez, mais vous n'avez pas besoin de la réparer. Vous n'avez jamais passé le gradeur ou rajouté du gravier, ça n'a pas besoin de mettre de lumière de rue, ça n'a pas... Juste les poubelles puis la neige, on s'occupe de tout le reste. Nous autres, on investit ensemble pour que le reste fonctionne. Puis la neige, ça ne marcherait pas, avoir un contrat de neige? Ça a toujours fonctionné avec la ville. C'est parce que ça va coûter cher pour... C'est clair, c'est clair. Ça va coûter une couple de mille par année pour... c'est pas des grosses McCabanes, là. C'est pas, on n'est pas dans un domaine de riche. Fait qu'on aimerait beaucoup éviter ces frais-là. Là, garder la petite rue tranquille, on ne veut pas élargir avec des gros fossés. Je comprends. Ça va quasiment finir dans le lac. Si vous faites un rond-point au bout, là, ça va finir dans le lac. À côté environnement, ça va... fait que c'est... Juste garder ça comme ça, là, puis continuer à faire ces deux petits services-là, le reste, on s'en occupe. Puis... OK. Écoutez, on va... j'ai pas autre chose à dire qu'on va regarder spécifiquement cette demande-là, mais je veux vous garder en tête que, tu sais, on manœuvre là, dans des contextes particuliers, puis chaque rue a son histoire. Fait que c'est un peu compliqué d'arriver puis mettre des critères objectifs, précis pour chaque réalité. Fait que, on s'attendait un peu à ce que des situations comme ça arrivent. Fait que je vais parler avec M. Comeau, je vais consulter votre conseillère. On va regarder qu'est-ce qui peut être fait, puis s'il y a quelques éléments qui pourraient justifier la poursuite. Puis sinon, quoi faire pour... comment on peut réguler les trucs. Parce qu'à l'époque, quand on était entré en fonction, là, ça fait longtemps, j'habite sur le territoire, là, je sais qu'il y a des réalités différentes. On avait émis le souhait de travailler justement, est-ce que c'est une volonté d'intégrer des vieux cadastres de rue sans leur demander de s'actualiser aux normes actuelles pour les intégrer dans les services généraux, là, justement, parce que c'est fait depuis longtemps. Puis, la décision qu'on avait prise, c'est ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. T'sais. On va y aller petit peu par petit peu, 4-5 par année. Puis longtemps, dans l'effort budgétaire, on réservait des sommes en services professionnels, en frais de notariat notamment, pour financer un professionnel qui fait les démarches pour aller chercher la propriété. Okay. Mais il y en a 80-90 facilement. T'sais, on m'avait sorti la liste la première année, c'était assez décourageant de dire « Oh, on prend, t'sais, on l'attaque comment, le monstre? » Fait qu'on peut se reparler là-dessus, comment est-ce qu'on procède? Peut-être faire un suivi avec Mme Wilson. Mme Wilson? Oui. Moi, je vais avoir une petite discussion avec M. Comeau jeudi pour voir qu'est-ce qui a été partagé. Je veux bien comprendre qu'est-ce que l'administration vous a partagé de leur part. J'ai bien compris c'était quoi votre prérogative. On va regarder qu'est-ce qui peut être fait. Oui, vous pouvez m'envoyer un courriel. D'accord. C'est C.Wilson à commercial saint-colomban.qc.ca. Je ne le retiendrai pas, je vais venir vous dire. Mais ça se trouve facilement sur le site web. Oui, sur le site web, c'est facile. Strict 2. Merci. Merci, M. Madelin. Bonjour. Moi, c'est Stéphane Bauer, 124, rue du Domaine Fortier. J'ai juste un petit peu secondé la situation. Ça fait 12 ans que je suis là, et puis ma compréhension de tout ça, c'est que ça tombe un petit peu dans quelque chose comme un droit acquis.
c'est pas nécessairement question de d'avantage ou rien. C'est juste que je me souviendrai toujours quand j'ai acheté de M. Binette. Il m'a dit, même en hiver, quand il n'y a personne, ils vont faire la neige. Il était chanceux. Fait que, c'était pour moi, c'est ça. C'est statu quo. C'est tout ce que je demande. OK. C'est bien clair. Bien, je ne m'étais pas préparé. Non, c'est correct. Fait mais... que, il a exprimé bien M. Madeleine, je pense. Fait que, et aussi, ce que vous avez expliqué, ça m'a aidé à comprendre. Excellent. Merci, M. Bauer. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ronald Leduc, Chemin-Rivière-du-Nord. Je suis peut-être un petit peu en retard pour demander ça, parce que j'ai sauté un peu sur l'été, je l'ai perdu. Mais j'ai constaté, devant la caserne de pompiers cet été, beaucoup de totissements, de terre, de roches. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis bien curieux. En fait, il n'est pas arrivé d'accident. C'est des travaux prévus. On a refait toute la dalle de béton, donc le plancher de la caserne, parce qu'il y avait des fissures. Il y avait des joints, ça avait craqué. Puis il y avait toute la fosse à graisse aussi qui était problématique, parce qu'évidemment, on stationne des véhicules là, il y a des entretiens qui se font. Puis là, en ouvrant le plancher, on s'est rendu compte que cette fosse-là, elle s'en allait dans le champ d'épuration, ce qui est proscrit dans la vie, faire ça. Oui. Mais des choses qui se faisaient en 2001, 2004, des fois, ça, on découvre des choses. Fait que ça a augmenté beaucoup l'échéancier de remise des travaux. Donc là, on est venu refaire le plancher, on est venu rediriger, refaire la fosse à graisse comme il faut. C'est un plancher de béton poli qui répond aux exigences des casernes. Donc, c'était quand même des travaux majeurs. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non? Fait que ça a été quand même long. Puis, tu sais, on a quelqu'un, M. Urbain, et travaille dans le milieu de la construction. Puis, longtemps, il a fait du coffrage. Puis, simplement faire reposer une dalle de béton coulée comme ça, c'était 28 jours. Donc, où on pouvait rien y affecter. Fait que ça, il y a eu de la destruction. C'est ce que vous avez vu, là, c'était de détruire tout ce qu'il y avait. Puis je pense qu'il y avait des trucs aussi, il y avait de la canalisation faite dans le béton qui était particulier. Ce n'est pas des choses que les professionnels avaient vues avant. Donc, ça a été des travaux assez majeurs. Donc, on a reconstruit par l'intérieur le plancher. Ah bon. Parfait. Et puis, pour l'histoire des amendes, c'est une très bonne idée de transférer ça pour les aider aux personnes dans le besoin de pouvoir recevoir quelque chose. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, très bonne idée aussi d'avoir du service aussi au centre de villégiature pour... parc, en tout cas, ce qu'on... Le lac Capri? Ce qu'on a sur le... Belle-Rivière? Pardon? Belle-Rivière? Oui, c'est ça, Belle-Rivière. C'est un très beau projet. Et puis, j'y ai déjà été, mais là, je peux plus y aller, mais c'est réellement, ça vaut la peine. Et puis, pour terminer, bien, la famille Leduc, mon épouse et moi, on vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Merci beaucoup, M. Leduc. Merci beaucoup, Mme Brindamour. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Bonsoir. Oui, j'en ai quelques-unes. La première de Martin Boucher sur la rue Bédard. Serait-ce possible de faire tasser la neige dans la passerelle entre les rues Bédard et Stella? Depuis l'ajout des trottoirs sur Saint-Nicolas, le tracteur-trottoir passe devant la rue, donc il serait simple de venir dégager la passerelle. Plusieurs enfants et parents seraient heureux que la passerelle soit dégagée. Merci beaucoup. Oui, en fait, elle a déjà été. C'est assurément un oubli. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a quand même eu beaucoup de mouvements de personnel.
Puis il y a un employé de la ville de Saint-Colomban qui habite très près de là et qui va s'assurer de nous le rappeler, j'ai l'impression, à chaque semaine si on continue de l'oublier. Donc, on va l'inclure dans la charge. Toutefois, M. Boucher, je vous invite, quand des choses comme ça, là, n'hésitez pas à faire des requêtes sur le site web de la ville de Saint-Colomban par l'entremise de Voilà. Nos contremaîtres, ils prennent connaissance de ces requêtes-là et sont capables d'agir extrêmement rapidement. Puis pour des trucs comme ça, là, il s'agit de l'intégrer dans le calendrier des charges. Évidemment, ce type de déménagement-là, il fait à l'interne, donc c'est assez facile à régler. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est bon? Je regardais votre conseillère si vous voulez ajouter quelque chose, mais c'est bon. Oui. Donc, le message va être fait, mais je vous invite quand même à faire des requêtes quand ça arrive. Merci. La prochaine question de Mme Nancy Soriol, Côte-Saint-Nicolas. Serait-ce possible de faire l'ajout de panneaux de passage de chevreuil afin de sensibiliser les automobilistes et afin de réduire les accidents de ce genre? Merci. Oui. Mme Soriol m'a écrit aujourd'hui. J'ai malheureusement pas eu le temps d'y répondre. C'est assurément fort possible. La question que je me posais, c'est ce serait peut-être plus productif de les mettre à l'entrée du territoire pour les appliquer à l'entièreté du territoire parce que des chevreuils, il y en a partout. Donc, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait de manière efficace, justement pour éviter de placarder la ville de 340 affiches parce que les chevreuils traversent. Mais évidemment, il y a des secteurs qui sont un petit peu plus névralgiques que d'autres. Donc, on va transmettre votre requête. Puis vous m'avez envoyé votre adresse, je pense, dans votre courriel. Donc, on va vous faire. Je vais transférer le courriel automatiquement au service DTP par l'entremise d'une requête, puis on va essayer de répondre. Merci. La prochaine question de Mme Karine Prince sur Montessir. Avez-vous prévu une meilleure signalisation afin d'améliorer le passage au pont McKenzie? Non. Non. C'est une vieille question, ça. Il y a des problèmes depuis très, très longtemps. En fait, on compte sur la courtoisie des gens. C'est un secteur que je connais. J'emprunte beaucoup ce passage-là. Normalement, les gens sont assez compréhensifs, réceptifs. On a amélioré aussi beaucoup la visibilité. Là. Il y avait quelques petits arbres qui cachaient la vision. Puis c'est un pont qui n'est pas évident. Là. Il y a deux baissières, puis le pont il est surélevé. Fait que parfois, il y a des voitures qui ne voient pas qu'il y a quelqu'un qui attend à l'autre côté. Fait que ça peut occasionner des situations fâcheuses. Ceci dit, il y a quand même eu une campagne d'affichage conjointe entre Mirabel et Saint-Colomban pour s'assurer que c'est le passage d'un véhicule à la fois. Puis ce que je constate, c'est que les gens, ils font pas la distinction entre un véhicule à la fois et circulation alternée. Non, mais c'est correct, ça, un autre véhicule, parce que c'est niaiseux d'attendre que... Tu sais, c'est correct là, qu'il y ait 5-6 véhicules qui traversent en même temps. Ça fait arrêter moins de gens qu'attendre s'il y aurait une perte de temps. Mais, tu sais, évidemment, là, on s'en remet au civisme des gens. On pourrait faire tout l'affichage au monde. Si les gens, ça ne leur tente pas d'attendre, ça, l'idiotie, ça ne se remplace pas, malheureusement. Merci. La prochaine question de Mme Jasmine Léger, Chemin de la Rivière-du-Nord. Est-ce que c'est possible, peut-être, à travers le prochain Colombanois, de faire la sensibilisation à la faune sur le territoire? Sur beaucoup des groupes de voisinage, les gens s'inquiètent des loups, coyotes, pécans, etc. Quoi faire si les animaux s'approchent trop ou si on trouve un animal mort aussi? Bonne soirée. Oui, c'est possible. C'est la meilleure réponse que je peux donner. En même temps, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent par elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Puis je pense que dans un cas comme ça, ça s'avère. Évidemment, la pandémie, elle a amené une affluence de gens qui arrivaient de la ville qui n'ont pas nécessairement connu c'était quoi une faune diverse autre que des moufettes et des ratons laveurs. Fait que je peux comprendre les inquiétudes. Ceci dit, des dangers réels, moi, j'en ai jamais nécessairement entendu parler avec la faune. Puis il faut savoir, à l'ouest du territoire, on a un corridor... ouais, comment on a fait? J'ai un blanc. Non, c'est un corridor écologique, merci. Donc, du loup gris. Fait que, tu sais, il faudrait pas s'étonner que le loup revienne parce que c'est son territoire, c'est son aménagement de prédilection. Puis, tu sais, chaque année, puis je suis en train de la faire, la sensibilisation, on pourra l'écrire dans le Colombanois aussi. Mais chaque animal, évidemment, joue son rôle dans l'écosystème. Actuellement,
on vit une dynamique particulière avec l'existence de castors un peu partout sur le territoire. Puis c'est démontré hein, que les coyotes, les loups viennent réguler naturellement la population de castors. Donc, à chaque fois qu'on vient faire des interventions comme ça, on vient jouer dans l'écosystème. Puis un écosystème, c'est bien quand c'est équilibré. Donc, assurément, on pourrait faire de la sensibilisation dans le Colombanois pour expliquer le rôle des prédateurs, là, que je mets entre guillemets, dans la gestion d'un écosystème, puis d'expliquer aux gens qui ont choisi de venir s'installer en forêt. Ça vient avec, quelques animaux. Hein. Quelques animaux, mais pour lesquels j'ai jamais entendu. On est chanceux, là, on va toucher du bois. Là. Des cas d'attaque envers les humains, c'est jamais arrivé encore. C'est ça. C'est ça. Je vais vous laisser le dire, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça fait le tour pour les questions en ligne, monsieur le maire. Merci, madame Saint-Pierre-Desjardins. Ça nous amènerait à la séance extraordinaire du budget. Oui, vous avez bien raison, ça prend quelqu'un qui clôt cette séance. C'est à mon tour. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, madame Lapointe. Je propose que madame Gravel vienne seule aux prochaines séances, vu qu'elle... On n'a rien pas quorum. Ouais. Donc, il est à 20h25. 20h25, on passe tout de suite à l'Assemblée extraordinaire exclusive au budget du Conseil municipal, 12 décembre, 20h25. Donc, la séance est ouverte. C'est un ordre du jour assez simple. Hein. Il y a quelques points. Évidemment, ça concerne l'acceptation du budget. Vous pouvez quitter si vous... évidemment. Merci de vous être déplacé. Hein. Bien. T'en as-tu? Ouais, tu peux. Vas-y, on va t'attendre. Elle n'est pas ouverte encore, la séance. Prends une petite seconde. Mme Wilson va échanger sa carte d'affaires avec les citoyens qui quittent concernant le domaine Fortier. Séance ouverte? Ah, ouverte, parfait. Donc, désolé pour cet interlude. Ça nous a permis de flagorner un petit peu. Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'ordre du jour. Merci, Mme Wilson. Période d'intervention réservée aux élus. Je présume que personne ne prendra la parole avant l'adoption du budget. Période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de questions. Il n'y en a pas non plus en ligne. Pas de questions en ligne, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre-Desjardins. 2.1.3, constatation par les membres du conseil municipal d'avis de convocation. Ça a été fait en bonne et due forme. Ça nous amène au point le plus important. Donc, 2.1.4, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Donc, ce ne sera pas bien long. Moi, j'ai un tableau, mais on avait préparé quelque chose. Je vais juste sortir mon PowerPoint.
ma présentation. Je vais pouvoir suivre en même temps que vous. Voilà. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, lors de l'ouverture de la séance ordinaire, ça a été un exercice budgétaire qui n'a pas été le plus stimulant depuis mon arrivée à la mairie, dans le sens que vous êtes tous conscients que les coûts ont augmenté pour, j'ai envie de dire, partout. Donc, on était davantage dans une approche de limiter les dégâts que de développement, donc de réfléchir à où on amène la ville. On voulait davantage travailler à, comme j'ai mentionné, là, les gens ils viennent s'installer ici en paix, ils font le choix de, ils savent dans quel genre de ville ils viennent s'installer. Donc, on est tout le temps dans le dilemme, OK, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on développe, est-ce que cet événement-là est optimal, est-ce que cette ressource-là est optimale, est-ce que ce service-là répond encore aux besoins. C'est un exercice qu'on fait quand même à chaque année, mais cette année, on avait vraiment le poids de l'inflation, le poids de l'augmentation des coûts, fait qu'on le savait qu'on faisait face à un exercice particulier. Puis parce que tout augmente, évidemment, on avait le souci de ne pas, en plus, générer une augmentation du compte de taxes plus que le nécessaire, évidemment. Donc, ça a été 4-5 jours de rencontres que nous avons tenues avec les différents services en compagnie de la trésorerie et de la direction générale. Si bien qu'on en est venu à un budget de 24 681 400 $. Donc, officiellement, c'est une augmentation de près de 1,7 million par rapport au budget de l'an dernier. Puis là-dessus, on bénéficie d'une augmentation de coûts. Au niveau des revenus, bien, pas une augmentation de coûts, une augmentation des taxes tirées des revenus résidentiels, donc les taxes résidentielles, de 1,1 million. Je vous dis ça plus précisément, rapidement, 1,177. Donc, 1 177 000 d'augmentation de revenus tirées des taxes foncières. Donc, ça inclut la proposition d'augmentation du taux de taxation et les nouveaux revenus tirés de la croissance immobilière résidentielle sur le territoire. Ce n'est pas la plus grosse augmentation qu'on a connue, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, si on tient compte des augmentations de salaire liées aux conventions collectives puis aux différentes politiques d'entente que nous avons avec les employés, plus la création de postes ou sinon d'optimisation de ressources qui amènent des variations, si on inclut ça, on inclut l'augmentation du coût du service de police qui est à 300 000. Donc, masse salariale, on est à 700 000, 800 000. 200 000, tricentrice, on est déjà rendu à 1,3 million. Puis ça, c'est trois décisions pour lesquelles on n'a pas tant d'emprise que ça. Donc, la police, on reçoit une facture. Tricentrice, on reçoit une facture. On n'a pas un mot à dire. J'ai envie de partager. Puis les augmentations de masse salariale tirées des négociations de conventions collectives puis des différentes ententes qu'on a, non plus. Donc déjà là, on est à 1,3 million. Fait que pour trois codes budgétaires, trois principes, on excédait déjà notre augmentation de revenus en taxe foncière générale. On avait aussi à faire face au défi de réduire les revenus projetés en fonction des droits de mutation immobilière. L'an dernier, le marché était très chaud. Donc, on avait estimé des revenus de 2 500 000 $ en droits de mutation immobilière. On va l'atteindre de peine et de misère cette année, si ce n'est pas un peu plus bas, un peu plus haut. Mais c'est très imprudent Oui, c'est ça, c'est un revenu imprévisible. Donc, On ne peut pas surévaluer ces revenus-là. Fait qu'on a décidé de diminuer le revenu projeté de 400 000 $ à 2 100 000. Donc là, quand on diminue des revenus qu'on avait établis, puis en plus, on décide de ne pas augmenter le compte de taxes, bien là, ça nous demandait d'optimiser beaucoup les dépenses malgré l'augmentation. Donc, si vous voyez en arrière, là, on a, comme à chaque année, préparé le tableau 2023-2024.
pour faire le comparable entre les deux. Donc, vous voyez en taxe générale, là, il y a une augmentation de 1 100 000. En eau, on est venu augmenter ce qu'on demande aux gens qui bénéficient d'un aqueduc parce qu'on anticipe que les travaux vont augmenter sur le réseau, puis on ne veut pas que ce soit le Fonds général de taxation qui vienne couvrir notamment ces travaux-là. Donc, on est venu ajuster de 25 $, ce qui amène un revenu supplémentaire. Matière résiduelle, vous voyez, là, malgré la diminution du nombre de collectes, là, on est très, très près du montant. On est à 50 000 $ de variation malgré l'inflation. Donc, c'est ça la réalité auquel on avait à faire face. Puis ça, c'est du in and out. Hein. C'est l'argent qu'on collecte en fonction d'un service qui est attribué, puis on inclut l'éco-centre là-dedans. Taxes sur une autre base, fonds verts, terrains vacants, vous voyez, là, c'est assez stable. Même chose pour la dette par secteur. Paiement tenant lieu de taxe, ça diminue même, probablement une diminution de la valeur des écoles ou certaines écoles. Donc, on a autre revenu, là, c'est là-dedans qu'on peut percevoir les droits de mutation immobilière. Fait qu'on a pris une diminution de revenus parce qu'on veut être prudent par rapport à ce qui pourrait se passer sur le marché immobilier. Transfert, subvention, ça, c'est un fait notable. Donc, il y a une augmentation des revenus. C'est principalement causé par l'augmentation du transfert du point de TVQ qui a fait l'objet d'une négociation avec le gouvernement du Québec. C'est principalement ce qui explique la différence, là, le 600-700 000 de différence entre les deux. C'est carrément l'augmentation du point de TVQ pour la ville de Saint-Colomban. Ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est de vous expliquer un peu au niveau des revenus comment la tarte est divisée. Donc, vous voyez que la ville dépend 67 % des taxes qu'on va chercher par la valeur des propriétés. Donc, on est vraiment en taxe foncière. Le 67 inclut d'autres types de taxes, évidemment, mais la grande partie, là, ça vient des taxes qu'on va chercher au niveau de la valeur des propriétés résidentielles sur le territoire. Si on passe aux dépenses, puis là, ce que j'ai demandé au service de trésorerie pour rendre un petit peu plus digeste la compréhension de ce qu'on avait à faire en matière de décision, j'ai demandé au service de trésorerie de faire sortir tous les points du budget qui avaient une variation de plus ou moins 50 000 $ pour vous dire OK où on est allé dans la marge de manœuvre. Fait que là, ce que vous voyez en arrière, c'est que vous voyez la variation entre l'administration générale 2023-2024 puis les autres codes ou les autres postes budgétaires du budget. Vous voyez, service de police, sécurité incendie, là, la variation du 300 000 $ là, c'est une facture qu'on reçoit, on n'a rien à dire, il faut payer. Puis ça s'explique beaucoup par l'augmentation des immobilisations au niveau du service de police. Achat de véhicules, achat d'armes, c'est inclus dans comment on catégorise l'immobilisation pour un service de police. Il y a aussi des augmentations de ressources à l'intérieur, puis il y a aussi des conventions collectives qui viennent entrer en vigueur, qui viennent faire varier la rémunération salariale des policiers. Puis ça a un impact. Nous, on paie 21 %. On a une partie, là, c'est une équation pour laquelle on a négocié l'an dernier. Mais nous, on reçoit une facture globale des services qui nous sont offerts. Il y a quelques exceptions. Puis il y a une répartition de la facture en fonction d'un pourcentage qui est tiré d'une équation. En transport, l'augmentation est beaucoup déterminée par la popularité, j'ai envie de dire, du transport collectif sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, ça coûte 400 000 $ par année, le service de transport collectif, mais c'est une décision qu'on assume depuis le début. C'est important pour nous que la gratuité s'applique pour les gens, les étudiants qui décident de prendre le transport collectif. C'est la façon pour nous de contribuer à l'effort du transport autre que la voiture sur le territoire. Mais le service, il est populaire, il est en augmentation à chaque année. Puis ça vient avec, évidemment, des montants importants, mais pour lesquels on assume et pour lesquels on peut être soumis à des subventions. Mais ça se travaille davantage au niveau de la MRC. Nous, on a une quote-part à payer, la MRC, municipalité régionale de Comté. Nous, on a une quote-part à payer, puis c'est cette quote-part-là, notamment, qui a augmenté cette année. Hygiène du milieu, aqueduc, matières résiduelles et éco-centre. Là, vous voyez, c'est une légère hausse. J'ai passé à l'administration générale, je vais y revenir. Administration générale, c'est l'augmentation, là, c'est une augmentation. Vous voyez, en pourcentage de budget là, pour 2024, là, le pourcentage du budget, il diminue. Ça, on a beaucoup des augmentations salariales là-dedans. On vient jouer un peu dans les affectations de postes. On a fait un jeu de chaises musicales. Mais il n'y a pas nécessairement d'éléments notables à vous mentionner, sauf
la rémunération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on s'en va aussi en processus de négociation de convention collective. Donc ça, évidemment, ça a des coûts. Il faut être conseillé. Il y a un arrimage, il y a des frais juridiques qui y sont associés pour s'assurer qu'on travaille à l'intérieur des cadres. Donc, il y a une variation prévue. Là, en 2023, on était à 20 000. Puis là, en 2024, on va être à 80 000. Donc, il faut y affecter des ressources. C'est quand même majeur. Puis il y a des enjeux quand même. Là, on le voit avec les négociations actuellement du secteur public. T'sais, il y a des concepts qu'on n'a jamais eu à gérer, notamment le télétravail. Il y a aussi, évidemment, l'inflation frappe fort. Fait que les demandes sont fortes. Les réalités sont difficiles pour les villes et municipalités. Fait qu'on anticipe quand même une année intéressante au point de vue des négociations. Maintenant, je vais revenir sur le tableau. Santé et bien-être, vous voyez, c'est des poussières, hygiène du milieu, éco-centre, matières résiduelles, aqueduc. Donc, comme je vous l'ai dit, on anticipe une augmentation des coûts d'aqueduc. Les réseaux, ils vieillissent tranquillement. Donc, d'année en année, il faut mettre de l'argent dans l'entretien du réseau. Aménagement et urbanisme, il y a une diminution. Activité récréative, légère augmentation. Des dépenses. Ce qu'on a décidé d'avoir comme approche, mais vous le voyez depuis quelques mois, depuis un petit peu plus d'un an, on travaille beaucoup en mode commandite, en mode revenu. Donc, ce qu'on a envoyé comme message au niveau du service des loisirs, c'est que vous pouvez développer vos événements, mais il faut que ce soit accompagné d'une stratégie de revenu, une stratégie de commandite. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant de plus en plus. On l'a vu avec le défilé, on l'a vu avec le Festiroc, la fête nationale. Donc, pour la première fois, on a vu Desjardins venir appuyer des événements sur le territoire. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Puis, il y a d'autres entreprises qui veulent maintenant être associées au dynamisme puis aux importantes activités qu'on déploie sur le territoire. Et souvent, c'est une augmentation de dépenses, mais il y a des revenus qui y sont attitrés. On fait un peu un jeu de chaise musicale aussi au niveau des ressources humaines. Puis, on a décidé de bonifier de manière assez... cibler les événements qu'on sait qui fonctionnent. Par exemple, le Sentier Hanté, ça fait 2 années qu'ils sont très populaires. On a décidé d'augmenter le budget parce qu'il y a une réponse. Donc, on veut suivre un peu comment les gens ils viennent réagir aux différentes activités qu'on organise. La réponse est bonne, bien, on investit. Si ça descend, bien là, on se rétracte un petit peu, on réfléchit. On est très, très prudent dans notre stratégie d'implantation. Puis, il y a énormément de choses là-dedans aussi, activités récréatives, bibliothèques, qui sont soumises à des subventions. Donc, quand on fait l'exercice budgétaire, on peut dire, ah, tu sais, cette activité-là, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Mais souvent, ces activités-là, ils sont financées 100% par des subventions. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui se mettent en place. Puis, ces activités-là, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont complètement assumées par des subventions. Fait que c'est pas quelque chose qu'on veut couper, parce que ça se fait pratiquement à coût nul. Donc, ça explique cela. On s'en va en frais de financement. Activité d'investissement aussi et affectation. Vous voyez, c'est 3 postes où c'est diminué. C'est la 3e année consécutive où on vient diminuer notre service à la dette. Donc, puis ça, moi, je veux vous dire que nos stratégies de financement ne sont pas étrangères à ça. Le règlement sur les redevances nous permet de payer davantage comptant plutôt que d'emprunter à long terme. Puis là, on commence à voir les impacts tranquillement de cette stratégie-là parce que ce qui nous permet aujourd'hui d'annoncer une hausse du taux global de taxation de seulement 3%, c'est parce que notre service à la dette, donc la portion du compte de taxe qui est attribuable au remboursement de la dette, diminue depuis 3 ans. Il diminue, si vous comparez avec votre compte de taxe de l'an passé, il diminue de près de 6 à 7%, ce qui est attribuable au service de remboursement à la dette. Puis ça, bien, c'est des stratégies de financement, c'est des stratégies de diversification de revenus, que ce soit des subventions, des règlements de redevances. Donc, on emprunte moins. Fait que c'est sûr qu'à long terme, ce qui est attribuable au remboursement de la dette vient diminuer. Puis ça nous permet, là, on vient jouer dans une augmentation un peu du taux de taxe résidentielle, mais si le service à la dette diminue, on est capable de dire que notre taux général de taxation, il vient atteindre 3%, ce qui est assez bon si on se compare à ce qui est sorti publiquement actuellement autour de nous au Québec. J'ai vu 7% à Lévis, 4,9% Laval, Longueuil, Montréal, pardonnez-moi. J'anticipe du 4, du 5, Mirabel, Saint-Jérôme. Fait qu'on est un peu là-dedans. T'sais, j'ai hâte de voir des villes semblables
comme nous, là, population semblable, on est à Sainte-Marthe, mais c'est une autre réalité, ils ont des services d'égout à Queduc. Donc, je pense qu'on a fait un effort satisfaisant, responsable là, quant à ce budget-là. Donc, c'est ce qui vient expliquer grandement les faits saillants de ce budget-là. Si je me réfère au petit document là, que le service de trésorerie m'a offert, bien, seulement le contrat en matière, résiduelle, là, le site d'enfouissement, ce qu'on collecte comme ordure, ça augmente de 93 000 $ cette année. Fait que ça, il y a un lien. C'est Tricentris. Non, c'est pas Tricentris, c'est autre chose. Tricentris, c'est une autre ligne. Mais ça, c'est lié au tonnage qu'on génère. Donc, évidemment, on paye à la tonne. Plus on jette, plus on paye. Fait que, ça tient compte, finalement, des quantités moyennes qu'on ramasse pour chaque propriété en fonction de l'année précédente. Donc là, c'est une augmentation de 93 000 $ quand même. On a Tricentris, 207 000 $ d'augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, cette cotisation-là, elle est remboursée, mais on ne sait jamais quand elle peut arriver. Ça peut être l'année d'après. Donc, en attendant, nous, il faut l'assumer, il faut aller la chercher, cette liquidité-là, pour payer cette augmentation-là. La matière compostable, on voit la diminution. La diminution de collecte, ça génère une économie de 108 000 $. Donc, de faire passer les collectes une fois par mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est 108 000 $ qu'on va chercher, puis on considère que ça n'aura pas un très, très grand impact sur les habitudes des gens, puis je pense que c'est une bonne décision. On le teste, on va voir. Puis, tu sais, en même temps, j'encourage tout le monde à utiliser son bac brun. Là. C'est pas vrai que les gens compostent dans leur bac brun. Là. Ils utilisent un bac brun pour mettre des vidanges qui puent. C'est important de le dire. Je sais qu'il y a un blocage idéologique au fait d'utiliser le bac brun. Là. Tu sais, je rassure les gens qui s'indignent contre le compost. Vous ne faites pas de compost. Vous mettez des matières qui puent dans un bac autre que le vert et le bleu. Fait que moi, j'encourage tout le monde à se prévaloir de leur bac. Souvent, ça vient alléger ce qu'on met dans le bac vert ou dans les poubelles. Maintenant, en loisirs, on a une augmentation de la rémunération. C'est un fait notable quand même, 215 000, mais c'est du mouvement de salaire. Donc, ce qui était... Là, on tombe à la rémunération régulière. On a 215 000 d'augmentation, mais on a une diminution de salaire de 187 000 $ en temporaire. Fait que souvent, on se promène dans des codes parce qu'on vient pérenniser des emplois, on vient changer le type d'emploi, mais en bout de ligne, dans une année fiscale, ça revient pratiquement au même. Fait que là, on a une variation de 32 000, de 28 000 $ Donc ça, quand je vous dis jeu de domino, c'est que souvent, on remplace un poste pour en améliorer un, pour permettre d'améliorer la qualité des services. C'est le genre de manœuvre qu'on peut faire. Entretien parc et espace vert, on bonifie le budget de 61 000 $ Donc ça, c'est par souci d'entretien de nos espaces. C'est souvent de l'achat de machinerie. Il y a le terrain de baseball là-dedans qui vient influencer. Ça prend des machineries spéciales, ça prend des entretiens spéciaux. On prévoit augmenter la qualité de l'entretien sur le terrain de soccer aussi. Donc, on investit beaucoup dans les infrastructures qu'on veut garder saines. C'est pas mal tout. Remboursement au fonds de roulement. On l'augmente. Ça, c'est la caisse interne. On y affecte des montants. Donc, cette année, on va y affecter 373 000 plutôt que 280. Ça nous permet encore une fois de sauver de l'endettement. C'est comme si on s'empruntait à nous-mêmes. C'est des stratégies. Fait à noter aussi dans les revenus que je n'ai pas mentionné, intérêt de banque et placement. Ça fait quelques années qu'on insiste pour avoir des stratégies d'investissement pour de l'argent qui dort dans des comptes. Donc, cette année, c'est une augmentation de 153 000 $ de revenus. D'argent qui sont attribués à des ressources, mais qui actuellement ne sont pas affectées. Donc, on voulait que ça serve à faire générer des intérêts dans les différents comptes qui possèdent la ville. Donc là, on voit quand même une bonne distinction au niveau des revenus. Moi, ça fait le tour sur ce que j'avais présenté. Peut-être un petit peu plus loin, ouais, on a réparti ça en différentes images pour vous illustrer c'est quoi le poids des différents secteurs dans le budget. Donc, administration générale, sécurité publique, transport. Souvent, ce qu'on va faire quand on se compare entre les villes, c'est qu'on va regarder quel pourcentage est affecté pour quel type de secteur. Administration générale, transport. Est-ce que dans des villes qui nous ressemblent, est-ce que la répartition des dépenses est conforme aux autres? Fait que souvent, on peut se rendre compte qu'il y a des villes qui ont investi beaucoup dans l'administration générale ou le contraire. Fait que là, ça nous permet de nous comparer. C'est un travail qui est assez intéressant à effectuer.
Si on va à la prochaine, prochaine image, mais là, vous avez vraiment là, sur le type colonne les comparables entre 2023-2024. Fait qu'il y a des augmentations pour certains postes, des diminutions pour d'autres. Si on se promène là-dedans, puis ça permet en même temps de voir comment on y affecte nos priorités sur le territoire. Fait que ça fait le tour. Ça prendrait quelqu'un qui fait qui propose l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024, telle que présentée. Puis dans l'autre point, on va parler des taux de taxes. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. Ouais, je vais juste. Excellent. 2.1.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1001-2024 décrétant l'imposition des taux de taxation, des compensations, de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2024. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, puis je vais vous présenter ce qu'on a préparé ensuite pour vous permettre de comparer ce qui s'en vient avec l'année qu'on vient de vivre. Valérie Gravel, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, derrière moi, vous avez vraiment la comparable des taux de taxes sur la valeur foncière avec l'année 2023-2024. Donc, vous voyez là ce qui nous… Vous avez la variation des taux. Nous, moi, je vais parler d'un taux global de taxation de 3 % mais ça fait l'éventail un peu de la différence entre ce qui se faisait en 2023-2024. Donc, le taux global de taxation, là, c'est l'ensemble des taux qu'on prend pour calculer une augmentation moyenne du compte de taxe. À 3 % là, c'est l'équivalent un petit peu plus que 25 $ d'augmentation du compte de taxe par 100 000 $ d'évaluation de propriété. Donc, la donnée officielle, c'est que pour une maison d'une valeur de 327 500 $, il faut s'attendre à avoir une augmentation du compte de taxe de 75 $. Fait que nous, on a fait une petite règle de 3, là, 100 000 par 25 $ ou 25 $ par 100 000, excusez-moi. Donc là, vous avez la distinction des taux. En 2023-2024, fait qu'on fait passer le taux de 59,38 à 62,35. Immeuble de 6 logements et plus, on le fait passer de 59,38 à 77,94. C'est une très importante hausse, mais vous devez savoir que nous n'avons qu'un seul immeuble à 6 logements et plus, et il est financé entièrement par le gouvernement du Québec. Donc, les gens qui sont experts en fiscalité vont comprendre la stratégie ici. On s'en va chercher de l'argent de la part du gouvernement. Immeuble non résidentiel, une augmentation, très, très peu d'impact. Immeuble industriel, on a quand même une bonne augmentation. On veut se préparer à l'arrivée éventuelle de projets de développement industriel, mais actuellement, ça n'impacte pas beaucoup de gens. Immeuble agricole, on l'a augmenté au même niveau que le taux de taxation résidentielle. Même chose pour des immeubles forestiers. Là, c'est des sommes assez très, très faibles sur le territoire. Puis là, vous avez le service à la dette. Là, vous voyez, il passe de 11,85 à 11,08. Donc, c'est avec tous ces facteurs-là là, qu'on se permet de dire que le taux global de taxation va représenter une hausse d'environ 3 % tarification maintenant. Donc, ça, c'est des tarifications spécifiques à certaines réalités ou sinon à des services qui sont affectés. Fait que vous voyez, là, l'enlèvement des ordures résiduelles passe de 64 à 57 $. Commercial, même chose, il y a une légère diminution pour maximale. Collecte sélective résidentielle, ça, c'est l'impact de Tricentris. Donc, l'augmentation du 207 000 $ là, elle est vraiment visible ici, de 24,50 à 52,25. On a reçu cette nouvelle-là sans avoir nécessairement beaucoup de choses à dire à cet effet-là. Collecte sélective commerciale, même impact. Collecte des matières compostables résidentielles, on est venu la diminuer. Ça, c'est l'impact du diminution du nombre de collectes par année. Même chose au niveau du commercial. Ce que je faisais mention tantôt là, dans la présentation ou dans le règlement là, sur la gestion de l'eau puis les budgets, vous voyez le haut habitation familiale, on fait passer la tarification de 275 $ à 300 $. Donc, l'argent qui est collecté à l'intérieur de cette tarification-là, bien, elle sert à défrayer les coûts du service d'entretien du réseau d'aqueduc. Fait que quand on vient l'augmenter, ce n'est pas nécessairement pour augmenter les revenus affectés à d'autres choses, mais c'est simplement pour couvrir les dépenses que les services d'aqueduc nous génèrent en cours d'année. Même chose pour le commercial. Puis le fonds vert, il demeure stable. C'est une contribution de 14 $ par propriété. La réserve financière demeure la même. Donc, ça fait le tour un peu des modifications concernant les taux de taxation.
Voilà. Est-ce que... Juste... Ouais. Ça prend quelqu'un. Est-ce que quelqu'un avait donné l'avis de motion? Oui, moi. Vous l'aviez fait? Oui. Merci beaucoup. Donc, taux de taxation, ouais, 2.1.6, avis de motion et dépôt, de projet du, et dépôt du projet de règlement numéro 1002-2024 portant sur la tarification de l'ensemble des services municipaux 2024. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire, Valérie. Donc, cette année, là, très, très peu de modifications à la tarification. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on a décidé davantage de s'attaquer aux contraventions cette année plutôt qu'à la tarification des services. Je vais vous sortir rapidement le règlement. Ça ne sera pas bien long. Oui, je l'ai. Donc, c'est assez mineur comme modification. Il y a des années où on est allé jouer pas mal plus élevé. Donc, c'est souvent des modifications, c'est des montants qui correspondent à des évaluations ou des trucs assez énigmatiques là, dans la, tu sais, par exemple, les coûts d'impression, coûts d'un rapport financier. C'est des légères hausses. C'est prévu à la loi, donc on n'est pas soumis à ça. On est venu aussi faire du ménage sur, sur la tarification des effets promotionnels. On vient surtout dire que la Ville se réserve le droit de pouvoir fixer par résolution toute autre tarification pour des effets personnels. On se donne une marge de manœuvre sans être pris dans notre règlement de tarification. Puis on vient déterminer aussi des coûts éventuels là, pour des ensembles promotionnels sans tarification. Donc, comment on exclut certaines dépenses ou certaines promotions d'articles à l'extérieur de la tarification. C'est tout ça pour se donner une marge en fonction de l'actualité ou de ce qui vient en fonction des événements. Beaucoup de spécificités de règlement. On n'est pas venu tant que ça jouer dans les montants. On est venu faire un petit peu de ménage, mais ça n'aura pas d'impact à court terme sur la valeur de la tarification que vous devrez assumer. On est venu doubler le permis d'arrosage. Ça, tu sais, c'est en lien avec le changement de la politique ou le changement du règlement sur la gestion de l'eau potable sur le territoire. Mais c'est assez anecdotique, là. Ça s'applique seulement aux gens qui sont sur l'aqueduc et qui ont à demander un permis spécifique s'ils viennent de faire l'entretien l'aménagement plutôt de leur truc. On a modifié la tarification reliée au défaut de vidange de fosse septique pour l'ajuster en fonction du coût réel. Permis de demande de démolition, on a modifié autrement l'article. Puis c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est de l'abrogation. On explique les choses autrement. La location, on est venu faire du location d'un emplacement pour le marché de Noël. On est venu réduire la tarification de 40 à 25. Même chose pour le carrefour créatif. On est venu clarifier quelques éléments au niveau du marché public, notamment l'utilisation du four. Le camp de jour, on a appliqué une augmentation de la tarification du camp de jour en fonction de l'inflation, donc de 2-3% là, à peine. Voilà. Sinon, j'essaie d'y aller. Sinon, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. Ça fait donc des modifications assez cosmétiques, là, rien... Il n'y a pas de révolution là, dans la tarification. Je pense qu'on avait fait un travail assez cossu l'an dernier. Donc, cette année, on a fait le choix de travailler davantage au niveau des contraventions. Donc, est-ce que quelqu'un avait donné l'avis de motion? Oui. Ça avait été fait? Oui. Merci. Donc, ça nous amène à 8.1, question du public exclusive au budget. Madame Saint-Pierre-Desjardins, avons-nous des questions? Aucune question en ligne, M. le maire. Il n'y a pas de questions en ligne, donc suivant ceci, ça... il n'y a pas de questions dans la salle. Ben, je m'excuse, M. Demé, j'ai présumé. Je suis allé te... OK, excellent. Donc, suivant la période des questions, sans questions, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance? Je vais la proposer, M. le maire. Merci, Mme Scriven. D'ici là, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Je nous souhaite neige sans pluie, des décors... des décors hivernaux féeriques, créateurs de bonheur et d'amour, de repos, de prendre le temps pour soi, c'est bien, d'aller voir les gens qu'on aime aussi.
et de le déloigner ceux qu'on aime moins. Le temps de refaire les batteries. Donc, bon retour et on se revoit en janvier. Fait à noter, ça va être le troisième mardi de janvier. Ça donne le temps à l'administration de revenir en selle, de préparer ce qu'une assemblée demande pour qu'on soit capable de prendre des résolutions et des décisions en janvier. Donc, merci beaucoup. On se voit en 2024. Merci.